Coucou tout le monde, coucou Vermine, j'espère que ça va. Ta journée n'a pas été trop compliquée. Ce soir, on va s'amuser avec Boyfriend Dungeon, le meilleur hack and slash and date, en première partie. Et puis, à 22h environ, c'est tellement gay. Et puis, à 22h environ, on va regarder une vidéo de Wissam Zelka, sur Twitch. Cette vidéo-là, elle vient de YouTube, de la chaîne Parole d'Honneur, et on essaiera de la comprendre s'il y a des choses qui sont pas forcément évidentes, et on en parlera un petit peu avec vous. Est-ce qu'il y a des gens qui n'étaient pas là aux premières parties de Boyfriend Dungeon, que je vous fasse un rapide résumé? Coucou Kane, coucou Agathon. Parce qu'en gros, dans ce magnifique jeu, on incarne un personnage qu'on peut customiser, on peut avoir une espèce d'archétype biologique qu'on peut genrer comme on veut, qu'on peut habiller. Alors, il y a des options limitées, hein, quand même, mais elles sont assez larges quand même. On peut le genrer, je dis le parce que le mien c'est un perso masculin. On peut le genrer au masculin, au féminin, on peut utiliser les pronoms yel, on peut lui mettre des vêtements, genre des robes, alors qu'on le genre en il. C'est vraiment. Genre, on prend le genre, on le tend au maximum pour un jeu vidéo, c'est plutôt pas mal. Et donc, on joue ce genre de personnage qu'on customise qui arrive et qui est tout nouveau dans une ville et à qui son cousin propose de faire des rencontres ou amoureuses ou amical. Et on se rend compte très vite que les personnes qu'on rencontre peuvent se transformer en armes. Armes qui vont nous servir pour explorer des donjons qui sont peuplés de nos craintes les plus importantes. Et donc en avançant et en cherchant. Bouh, les pronoms yel, bouh. Ouais, c'est pas dans le dictionnaire, hein, c'est vraiment de la merde. Hein. Merci Brigitte. Ah oui, la grosse hache. Oui, donc chaque date potentiel se transforme en une arme spécifique. Et donc, pour libérer le potentiel d'une arme, il faut aller au plus loin dans la relation avec le personnage slash arme en question. C'est vraiment trop cool. C'est vraiment trop cool. Trop cool. Donc, je vais continuer, espèce de pronom. Donc, continuer. Attends, peut-être que si je mettais ma souris du bon côté, voilà. Je vais vous présenter rapidement, si vous avez oublié, je vais vous faire un résumé rapide des... Donc là, on est à la maison. Alors ça, c'est... on refait des textos tout le temps, hein. Mais tout le temps. Donc, je vais essayer avec... Mais calme-toi, mais... Ah, voilà, c'est bon. Donc, Jesse, c'est le cousin. C'est celui qui nous branche sur des gens. Seven, c'est un gars qui fait partie d'un groupe de K-pop, d'un boys band de K-pop. Lui, c'est une espèce de sabre laser. Isaac, j'ai un peu... Beaucoup plus que Seven, pour les personnes qui me connaissent, j'ai moins d'enthousiasme pour la K-pop, excusez-moi, et pour le style jeune homme. Oui, Jesse, il connaît la manière. Isaac... C'est une rapière. Il a un peu un côté... culture bourgeoise, hein. Avec un père relou. Alors jusque-là, moi, je dis un gars qui est tout le temps en costume, qui a un peu de culture bourgeoise. Oui, c'est making de droite. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, j'ai tendance à y aller, quoi. Mais quand il m'a dit, je me sers de mes entreprises et j'investis... pour pouvoir amener un peu de justice sociale. Là, j'ai dit, je peux plus. Même mes kinks, je peux pas. Mais non, mais quand je parle de culture bourgeoise, Vermine, c'est valoriser des trucs un peu élitistes, beaucoup élitistes, la langue et ce genre de trucs, genre la culture légitime, tu vois. Ça, c'est vrai que j'ai une petite explosion dans mon caleçon quand j'entends parler comme ça, mais...
Mais quand il a juste dit « je me sers de mon argent pour valoriser la justice sociale », là j'ai juste rigolé quoi, j'ai dit c'est mort. Valeria, c'est une dague. Elle, on l'a rencontrée à l'arrache, je sais même plus comment on l'a rencontrée. Oui mais j'étais king comme ça, j'y peux rien, je suis pas mauvais, j'ai été dessiné comme ça. Oui, et c'est Jessica Rabbit qui m'a appris ça, c'est la meilleure justification. Vous allez faire quoi ? Valeria, c'est une dague qu'on a rencontrée dans un donjon, dans un bout du donjon. C'est une meuf qui a plein de caractère. C'est une meuf, donc du coup, ce sera ma meilleure pote, parce que j'aime bien le tempérament, mais les meufs, c'est demain, quoi. Ou après-demain, si j'ai le temps, ou après-demain, quoi. Ah, elle est vénère, Valeria, elle est vénère. Et en plus, à jouer, la dague est pas mal. Thunder, c'est le beau parleur. Bon, en gros, c'est un vampire, quoi. C'est un vampire, voilà. C'est juste un vampire, un putain de vampire. Une espèce de sabre qui fait saigner les gens. Ultra séduisant dans les mots, dans le machin. C'est pas possible. Eric, c'était juste un connard. J'ai pas voulu lui parler trop longtemps. Il est arrivé, il a même pas cherché à savoir qui j'étais. Il a dit, tu me plais. Non, mais on perd pas de temps, c'est le business. Les amours, c'est comme les affaires. Hein. Il est parti comme as. Encore le mec de droite, là, en haut, en mode tradi. Rendez-vous, je suis vieux jeu, machin. Ça, bon, je peux... Voilà, j'ai un côté comme ça. J'y peux rien. Mais encore, le gars en mode... Les transactions, les relations humaines, c'est comme des transactions. Eh ben, nique ton père. Je n'ai pas d'autre explication. Et lui, c'est mon petit chou actuellement. Alors, on va dire, oui, il a un côté un peu oursesque. J'ai un petit truc avec les oursins et les oursons. Ok, c'est vrai. Bon, il est surfeur, c'est son gros défaut. Oui, c'est son côté daron. Mais il a une tête trop gentille. Il est vegan. Tout de suite, il me dit bonjour, je suis vegan, je ne peux pas dire non. Je suis obligé de prendre son dossier en considération. Je suis obligé. C'est nécessaire. Il a un petit côté timide en plus. Je suis obligé de prendre son dossier en considération. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Voilà. Donc, ce que je vais vous proposer là, c'est de lire des textos et continuer. Sur notre lancée. Mais oui, réunion de kink. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'une personne qui n'a pas été là la dernière fois va m'orienter là pour savoir avec qui aller plus avant dans la relation. Le seul truc que je ferai pas, c'est aller dans une relation. Alors on peut être polyamoureux, il n'y a pas de souci, les gens sont d'accord en plus. Voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc si vous voulez que mon perso... Ah, je vous montrerai aussi comment on peut recustomiser le perso. On va le faire à chaque début de session de Boyfriend Dungeon. Donc voilà, comme je disais, vous pouvez choisir avec qui on va aller. Et à chaque fois qu'on passera une étape, on changera de perso. Donc réfléchissez bien. Là, je propose cette fois-ci à Agathon, parce que la dernière fois, il n'a pas choisi. Et ensuite, ce sera à Kane. Si l'un des deux souhaite. Donc le temps que vous choisissiez, je vais vous montrer rapidement le miroir. Et au miroir, ça va être... Alors on garde juste le nom et le pronom. D'accord, Kane. On garde juste le nom et le pronom. Et en revanche, les habits à porter, je propose que Vermine m'aide. Parce que Vermine a toujours bon goût. Ok, un bon goût douteux, mais un goût quand même. C'est un goût certain, mais un goût discutable. Enfin, alors deux me dit Agathon, mais je comprends pas ce que ça veut dire deux. Ah, c'était ça. Enfin, si tu veux, je peux choisir maintenant pour que tu prennes reprendre plus tard. Et il veut la K-pop. Ok, Agathon veut que je porte le t-shirt. Ouais, non, c'est pas trop mon style, les personnes trop jeunes, en général. Ouais. Ok, et la robe bleue, Vermine propose la robe bleue. Bah, ce que je vais faire, c'est que, comme j'ai dit robe bleue,
Enfin, Vermine qui choisit le style. Kane, ce sera pour la deuxième, le deuxième truc que tu as déjà choisi en avance. Et Agathon, du coup, je vais aller vers qui? Toi, tu prends le deuxième date, c'est forcément le gars K-pop. Et en haut, on peut mettre un petit bob, une casquette, un turban ou un foulard. Mais le vegan, c'est mon préféré. Et en plus, c'est une hache, donc il est trop chou, il est trop mignon. Et ben on va go vegan et ensuite go K-pop. Cette fois-ci, c'est du café avec de la caféine, parce que je suis éclataxe. Ben Seven, c'est le K-popien. Ben on va vous faire plaisir. Et en plus de ça, c'est vraiment un petit con, Seven. On va commencer par Seven. Alors, on va voir les textos qu'il nous a envoyés. Bouh, le café, bouh, Wendy teste un burger, bouh. Donc, qu'est-ce qu'il nous a envoyé comme texto? Alors, dernière fois qu'on l'a rencontré, en fait, on l'a sauvé dans le donjon. On l'a récupéré, on savait pas pourquoi il y était. On s'est donné rendez-vous dans un café qui s'appelle le Kix. Et au Kix, il y a une meuf qui est venue et qui lui fait « Ouais, mais c'est toi, Seven, du groupe Mon cul Generation ?» Il dit « Non, non, non. » Enfin, j'essaie de dire « Non, non, non. » De le défendre, de faire « Non, non, c'est pas lui, c'est pas lui. » Elle dit « Mais si, 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 c'est toi, machin. » Et du coup, comme c'est une célébrité, il a pas forcément envie... De se faire repérer quoi. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, apparemment, il voudrait aller ailleurs pour le prochain rendez-vous. Donc, bah, on se fait un resto, pas à la plage. J'ai pas la plage avec lui. Et pas un ciné parce que au ciné, je vais me faire chier, j'aime pas le ciné. Manger encore, mais tu casses les couilles. Je te tiens au courant, je vais y réfléchir. Ah bah super. Lui, il veut pas manger. Alors lui. Ah oui, après le barbecue ou Ah bah trop tard, peut-être que. La plage en fait on a rendez-vous avec Jonah le vegan à la plage. Il nous a donné rendez-vous déjà. Là il nous parle du rendez-vous quant à lui, c'est Jessie qui nous avait arrangé le rendez-vous avec Jonah, et là il nous dit est-ce qu'il était romantique? Ben oui, il avait raison, il était super romantique, il était trop chou. Et le truc, c'est qu'il sortait avec avant. Enfin, il sortit genre. Genre, il est resté un mois avec Jonah. Et n'écris pas trop vite, parce qu'en fait, je peux pas lire tout. Voilà, Jessie. T'es un acharné, on dirait moi qui tape. Je pense que j'ai fait tout ce qui était dans mon pouvoir. Tu as rencontré des gens formidables en quelques rendez-vous. Je pense qu'il est temps pour moi de passer au second plan et de te laisser profiter de l'été à ta manière. Qu'est-ce que t'en dis? Bah ça me convient, écoute. Cool, on va pouvoir avoir une relation normale maintenant, comme des cousins. Piouf! À tantôt, cous. Bah donc on a dit qu'on allait voir. Si on avait une réponse. Ah putain, on a rendez-vous au musée avec elle. Non, je vais remettre un turban, c'était plus joli avec la robe quand même. C'est quand même beaucoup plus joli. Voilà. Ah, il y avait aussi le coup des in. Je crois qu'on en avait découvert un nouveau. Ah non, bah en fait, non, j'ai rêvé. C'était un truc à créer. Ah si, voilà, on avait trouvé un plan. Patron zine de chimie. Bon, on va voir si on peut le créer. Les zines, c'est des sortes de compétences à usage unique. Enfin, à usage limité plutôt. On peut recharger une barre de zine. Alors, qu'est-ce que ça fait celui-là? Avant, on avait les boules de feu et ça. Qu'est-ce que ça fait? Mais vous voulez pas nous dire. Ah, place une mine! Ah, on place des mines! Ah, ça peut être marrant ça, quand on kite, placer des mines. Du coup, qu'est-ce qu'on avait comme cadeau à proposer? Ouais. Rien de spécial. Ah oui, il faut qu'on aille en rendez-vous avec Valyria
pour débloquer son nouveau truc. Donc on avait dit... Putain, je suis complètement paumé. Bah venez, on se fait un tour de sabre laser. On va aller dans le donjon. Bah on va avec toi. À la fin, elle va m'assassiner. Bah j'espère. J'espère. Sinon, c'est pas drôle qu'elle essaye pas. Hein. Mais c'est vrai que le gameplay était sympa avec la dague en plus. Oui, c'est bon, j'ai la peur du changement, on a compris. Vous dites je pas tout. Si les marques que je sponsorise sont aussi vendues ici. Oh, je me demande si t'arrêteras un jour de parler de ton truc là. Alors, c'est quoi les compétences? Ouais, c'est comme tout le monde. Et le. La capacité spéciale, c'est chaîne d'éclair. Ah oui, on avait dit que c'était comme. Oula! Oh, c'est trop beau! Oh putain, c'est trop classe! Ah, les combos, elles sont trop belles! Oulala! Eh, mais je kiffe! Mais c'est magnifique! Alors, on n'oublie pas de péter le décor, hein, y a toujours des trucs à ramasser. Ah, ok, les mines, ça se lance à distance, super. Alors, moi, ça fait des bons dégâts au. C'est des boss, enfin c'est ça c'est affreux de mettre contre des boss dès le début. Après même si on n'a pas trop. Enfin c'est bien du tissu ça pour le craft. Même si l'arme n'est pas montée ici, c'est pas très grave parce que le perso est monté. Et ça, on aime. Et puis ce qui est bien aussi, c'est que le rayon, enfin, la portée est tellement bonne du sabre laser que les projectiles, on les pète assez facilement. C'est vraiment très facile en fait. C'est une très bonne arme pour ça. Y a un truc à faire là? Non? Tant pis. Qu'est-ce qu'il y a là? Zine de mode. C'est vrai, ouais, c'est sexy. Je savais que t'allais dire ça. Moi, c'est pas mon truc les sabres laser, mais. Je connais pas mal de gens qui aiment bien. J'aime bien l'air déterminé que j'ai. Tu veux passer du temps ici? Bah écoute, on va passer du temps ici. Attends, je... Voilà, passe du temps là. Ces chaises ne valent ni notre argent ni notre temps. Mais tu viens de dire avant que t'avais envie de passer du temps, mais t'es vraiment un brat. C'est tout ce que t'es. C'est juste un moyen de soutirer de l'argent à des gens qui n'ont pas les moyens de payer des vrais massages. La seule chose qui les différencie des autres monstres, ce sont leurs vibrations démoniaques. Je les déteste tant que ça. Quoi? Quoi? Ça? Moi? Non, je m'en fiche. Ce sont que des chaises et les gens font ce qu'ils veulent. Ça n'a aucune importance. Voulez-vous offrir un cadeau? Allez, on va lui offrir un cadeau. Liqueur de framboise. Le nounours, je le garde pour quelqu'un d'autre. Ah oui, ça lui plaît. Merci, c'est si rare d'avoir un cadeau remis en main propre. Il donne un coup de pied paresseux dans l'une des chaises. Elle ne bouge même pas. Oh, et puis on s'en fiche. Ok.
Mais c'est quoi cet endroit? Et ça, en revanche, ils nous mettent dans des couloirs des fois. Avec toute une... Avec ces vieux écrans. Ces vieux... comment on disait ça? Ces machins folles, là, les appareils pour faire de la musique ancien. Gramophone, mais oui, gramophone, merci. Patron rose rouge. C'est peut-être un cadeau ça. Saxophone. Est-ce que vous voulez qu'on change de gameplay ou non, juste on va au niveau suivant, on garde lui. De toute façon, on n'a pas encore eu le rendez-vous spécial. Xylophone. Pentadophone. Cerisephone. Parce qu'il faut toujours parler de cerise. En toutes circonstances. On va continuer avec lui. Hein. Ah, bon, je remonte alors. Ah, je peux pas. Prochain étage, je joue la dague. Mais pourquoi ne finit-il pas ces combos? Pourquoi pas? Alignement de cerise, toujours. Chablagou, Chablagou, Chavoyou. Ça n'a rien à voir les deux ensemble. Alors on a cassé la gueule à des gramophones. Ces démons du passé. C'est bon, il s'est barré en haut, notre abruti. Putain, notre abruti. Ah, mais ils font trop mal, les crabes téléphones. Mais les crabes téléphones, mais ils font trop mal. Ils font trop trop mal, ces abrutis. Ben oui, le donjon est dangereux. Sans rire. Bon, là j'ai faim. Oui, j'ai soif là. Mon perso il va décéder. Bon, bah on va rouler en boucle et après on va mourir. Hein. Je vous préviens. Non. Salut Rome, t'es arrivé donc tu vas déranger tout le monde. Comment tu déranges tout le monde? Niveau 11. Rentrer à la maison. On va avoir un petit rendez-vous. Ok, on s'est fait casser les dents. On s'est fait casser les dents. Bon.
elle se dit d'aller voir un film. Mais non, mais je veux pas aller au ciné, enfin, je t'ai dit un resto, putain. Et toi, je veux pas te répondre, en fait. Vous voyez tous ces gens, vous voyez tous ces gens. Moi, j'appelle ça du harcèlement. On lui a dit non, clairement. Hein. Oula, Rom. Moi, je te conseille pas. Moi, je te dis, je te conseille pas de taquiner un gâton. Je te conseille pas. Ah, il va t'apprendre la vie. Je te l'aurais dit. Je peux pas dire plus. Il va t'apprendre la vie. Alors, propose-lui le film Les Bronzés font du ski, il va adorer le mec du jeu. Quelle horreur. Non, je l'ai pas revu récemment en fait, Les Bronzés font du ski, je sais pas ce que ça doit donner. Je sais plus du tout. Alors, bon, on va aller en rendez-vous avec Isaac du coup. Alors, ça dit d'aller voir un film, j'aime bien les films d'horreur et d'action. Je m'excuse, monsieur ou madame, je vous offre une bière. Non, mais quand je te dis le taquin pie va t'apprendre la vie, c'est une manière de dire. Il a de la répartie, quoi. En aucun cas, t'as été un. Enfin, t'as été un délicat. T'as juste dit t'es mal rongé, t'as juste essayé de taquiner. Donc, voir un film d'horreur, ouais, c'est mieux, hein. Les Bronzés, c'est horreur et action. Allez, go, horreur. Allez voir Le Donge, ça tirait. Il y a une séance à 18h30, presque tous les soirs de la semaine. J'ai entendu. Putain, que du bien. Si ça te tente, bah carrément, allons-y. On va aller voir Le Donge. On se rejoint à l'intérieur. Ramène pas tout le fan club. On se rejoint à l'intérieur, quoi. Vous voyez, même pas éveillé avec moi. Il va m'apprendre la vie, genre comment on fait des enfants. Non. Ça, en général, les gens savent déjà. Alors. Si, je suis trop bête. Je suis encore trop bête. J'ai même pas regardé ce qu'on avait découvert comme. Nouveau patron. Parce que je crois qu'on a. Ouais, c'est ça, Zine de mode. Ouais, il nous manque deux. Putain, il nous manque du matos qu'on n'a jamais eu. Alors, le tissu, je veux bien. Zine de chim, on a déjà fait. Ça devrait faire des courses, en fait. Ça fait maintenant un an que je demande à Agathon et Coxino de me dire comment j'ai toujours pas eu de réponse. Non, mais ici, il n'y a pas de censure, c'est un stream adulte. Mais je vais te révéler comment on fait des bébés. Il faut avoir une maladie qui s'appelle l'hétérosexualité. Alors, c'est pas une maladie très grave. C'est toléré des fois. Il faut les respecter. Mais en général, ça commence comme ça. En général, hein. Après, je connais des personnes. Non ! Non, je veux pas te voir ! Je me suis trompé ! Je voulais pas aller te voir ! Non ! Non, je voulais pas le voir. Oh, Coxino. Ben voilà, on va y aller. Hein. J'ai même pas fait exprès, en plus je me suis complètement trompé. Ah, Coxino, tu trouves enfin le temps de passer. Ah, ils vendent des trucs. On va dire que je serais venu pour ça, du coup. Je crois que c'est de l'acier qu'il nous faut. Ouais, c'était de l'acier qu'il nous fallait. Non, je me casse. On se parle plus tard, ouais. J'ai vraiment vérifié ce que c'était, parce que ça se trouve... Parce que moi, j'ai tendance à me tromper. C'est exactement pour ça qu'on le déteste. Un tas de premiers de cordée, et on va lui faire faire toutes les corvées. Méfiez-vous des Eric. Ah non, c'était même pas de l'acier. C'est de la colle.
Il nous faut de la colle. Non, il y a des personnes hétéros qui sont très bien, surtout les personnes hétéros qui sont trans. Ça, c'est des personnes très bien. Donc c'était Marianne de Sport. C'est vrai qu'elle fait peur en fait, on me dit à chaque fois qu'elle fait peur elle. Ah voilà, c'est de la colle. Il nous en fallait deux. Encore de la colle. Et deux bouts de tissu. Voilà. Je t'en prie, Rome. Oui, c'est vrai, on dirait E.T. Elle fait peur. Alors, les questions de Rome, c'est toujours exceptionnel. Alors, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle compétence qu'on a gagnée? Ça crée un leurre. Ah, c'est bien ça! On va créer des leurres et on va taper. C'est trop bien! C'est trop trop bien! On va créer des leurres. On attend toujours la question, en effet. Moi, je suis sur ma faim. Est-ce que c'est moi qui joue César Martinez dans Walking Dead? Alors, je vais te confier un secret qui n'est pas un secret. Je ne regarde pas Walking Dead. J'en suis désolé. Désolé. Je vais chercher qui c'est, attends. Alors, c'est qui? Ce fameux César Martinez. Ah, il est pas moche, putain! Mais il est vraiment très beau! Mais il est vraiment très très beau! Il est très 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 beau! Eh bah écoute, je prends ça pour le plus beau des compliments possibles, parce qu'il est très très beau ce monsieur! Et moi je comprends pas, mais j'accepte le compliment, je le prends. Il est très très beau ce monsieur! Ah merde. Allez, on est là. Il est méchant, bah comme moi. Bon, on va pour le rendez-vous. Les publicités ont déjà commencé lorsque vous entrez dans la salle. Le film suit l'histoire d'un groupe d'adolescents qui descend dans le donjon. Une version plus violente et sanglante que jamais. Oula, ça part mal. Aucun d'eux n'est une âme sœur. Zéro stratégie. Les monstres prennent cible l'adolescent le plus détestable en premier. C'est ce qu'on aime. Très vite, l'adjuvant du héros meurt. Seven paraît bouleversé. Les adolescents meurent dans d'atroces souffrances. La seule survivante s'échappe de justesse. Les lumières se rallument et vous sortez du cinéma. Ah bah, je m'attendais à beaucoup plus. Je veux dire, c'était ok. J'ai aimé. Alors vraiment, parce que c'est vous. Sinon, si je m'écoutais, je le dirais pas. Mais parce que c'est vous, je vais dire, j'ai aimé être avec toi. Seven vous regarde avec fougue, mais ne dit rien. J'avais hésité avec le zombie du puits, mais non, chez Martinez, c'est une blague pour le zombie, mais regarde quand même une photo sur Google. Ok, je regarderai la photo. Voulez-vous offrir un cadeau? Ah non, c'est bon, t'en as déjà eu. Vous avez décidé de ne pas offrir de cadeau tout de suite. Affection au niveau 2! Alors, chaîne d'éclair étourdit les ennemis, ou bien l'arc électrique peut toucher un ennemi plus lointain. Ouais, un peu de contrôle, c'est bien. C'est toujours bien le CC. De toute façon, on peut modifier ça autant qu'on veut quand on va à la salle de sport. Mais quand il y a des étapes où il y a des choix entre deux. Mais un peu de CC, c'est bien, on prend trop cher. Oh, waouh,
salut les gars, qu'est-ce que vous faites là? Mais toi, t'es vraiment casse-couille, Olivia. Partout où je suis, tu vas lui mettre la honte et dire à tout le monde qu'il est là. Seven grimace, vous sentez qu'il faut sortir de ce pétrin. Au revoir, Olivia. Ça fait un bail qu'on t'a pas vu au café, j'ai quelque chose pour toi. J'ai écrit une lettre, Seven. Oui. Oh, c'est gentil. C'est toujours agréable de recevoir des lettres de Seven. Non. Il est vraiment horrible ce zombie du puits. Ah, non, c'est que... Est-ce que tu pourrais la donner à quelqu'un pour moi? Seven est abasourdi. C'est pour son goût. Tu pourrais lui donner ma lettre? C'est pour son goût. Tu pourrais lui donner ma lettre? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Il reste interdit pendant plusieurs secondes. Non. Seven s'en va. Wow, le succès lui montait à la tête. Olivia, tu as une enveloppe, on peut dire son goût, avec des cœurs en guise de haut. C'est pas grave, je vais devoir le trouver, lui donner moi-même. C'est du harcèlement, meuf. C'est qu'une lettre. J'en suis pas à lui en envoyer 12. Puis j'ai rien écrit de bizarre ou de tendancieux dedans. Cette meuf me fait peur. Elle s'en va, vous entendez un long soupir éperdu. C'est qui le gentil R7 Herschel? Herschel? Herschel. Disons Herschel. On dirait moi. Il y a beaucoup de choses on dirait moi. Ah bah apparemment ça plaît. Bah vous me forcez à regarder qui c'est hein. Herschel, c'est qui Herschel? Ah bah c'est un vieux monsieur, bah pourquoi pas, mais je crois que Agathon c'est... il aime bien. Les vieux messieurs, les personnages de vieux messieurs, en mode daron. Alors, on va regarder le téléphone, hein. On a reçu un message de Seven. Ça m'a saoulé, désolé, on se reparle plus tard. Oui, tu m'étonnes. On va au rendez-vous avec Jonah maintenant. Hein, enfin. On va essayer de voir s'il est à la plage. Ah, il est là. Notre petit Jonah. Vous arrivez sur la plage et vous ne voyez pas Jonah. En revanche, il y a beaucoup de surfeurs. Au loin, vous voyez un surfeur à la surface de l'eau. Il vous fait signe. Est-ce que c'est lui? Faire signe. Vous voyez un surfeur se diriger vers vous en ligne droite, ignorant complètement les vagues. Il plante sa planche dans le sable et court vers vous. Aucun doute. C'est bien Jonah, ruisselant d'eau de mer. Bonjour Jonah. Hey! Bonjour. Hey! J'ai réussi à te rattraper. J'allais justement faire une pause. Je peux te faire une bière? Là, c'est la planche qu'il a plantée. C'est la planche, Kane. Ouais, tu peux m'offrir une. Il vous sourit et achète deux canettes à un vendeur à la sauvette. Il achète une bière et vous la donne. Elles sont déjà couvertes de condensation à cause de la chaleur. C'est vrai qu'il fait chaud. Donc, encore une belle journée à Verona Beach, hein. Ouais. Vous vous asseyez et contemplez les vagues s'écraser contre la plage en silence. Oh, désolé. Ah, mince, désolé, je suis pas très bavard. Ouais, non, ça en revanche, je commence à en avoir plein le cul des pas très bavards. Il y a un moment où, quitte à dire de la merde, dites de la merde. Dites ce qui vous passe par la tête, mais dites un truc. Dites un truc. Arrêtez avec ce manque de bavardage, par pitié. Moi, ça commence, ça commence. Ça, voilà, bon. Ça a même fini de m'achever. C'est bête, j'avais préparé tant de questions à te poser, et maintenant qu'on y est, j'arrive pas à m'en rappeler. Je vais mettre ça sous compte de ma situation. Après avoir perdu un travail, je suppose que le cerveau fait du tri. Oh, un pauvre chômeur.
En vrai, selon les théories MBTI, je suis plus proche de Owen, mais je sais pas qui c'est. Ah d'accord, moi non plus je sais pas qui c'est Owen. Ou alors je suis juste un surfeur sans cervelle qui aime le bruit des vagues sans les comprendre. Mais non, t'es pas idiot. Mais non, t'es pas idiot, juste t'es chiant quoi. Ouais, si tu le dis. Deux choses peuvent être vraies, j'imagine. Mais quelqu'un d'hyper intelligent serait désarçonné après avoir été licencié aussi soudainement. Genre, tout va bien et d'un coup, tu perds tout et tu ne sais même plus si tu vas pouvoir manger la Oh. Oh, le pauvre. Je bossais dans un supermarché et ils m'ont viré parce que je me suis transformé en H. Oh, le pauvre. On va brûler le magasin. Coucou, Ambramélia! Trop de plaisir de voir ta petite tête, enfin de lire ton petit nom. Trop de plaisir, comment tu vas? Ambrine, Ambrunette, Ambrushka. Et puis j'ai pas d'autres terminaisons de Amb. Tout ce que je sais, c'est que là on va tuer des patrons. Ils sont fictifs, donc on peut. Pas les vrais. Je n'incite pas à la violence dans la vraie vie, évidemment. Je bossais dans un supermarché, mais on dirait parce que je me suis transformé en H. Vous vous rendez compte? C'est un peu dur. Ouais, hein. En plus, c'est pas comme si je l'avais fait pour menacer quelqu'un. Un enfant pose des bonnes questions à sa mère au sujet des lames sœurs. Et ça m'a paru évident que la mère n'aurait pas toutes les réponses à ces questions. J'ai comme senti qu'il en était une lui-même. Donc je me suis transformé vite fait, tu sais, juste pour qu'il comprenne qu'il n'est pas seul. Comme ça. Tu vois, c'est pas la mer à boire, pas vrai? Mais il est trop mignon! Mais il est trop chou! Ah oui, c'est vrai qu'il a un gros manche, il a un très gros manche par rapport à sa lame, mais on aime bien aussi. Enfin, c'est ce que je pensais, je me suis dit, après tout, je reste le même. Mais il est trop chou! Mais sa mère est allée voir le manager, qui a dit que j'avais effrayé son fils, et ça m'a coûté mon job. Mais quel? Encore que la mère soit débile, c'est un truc! Mais que tu te fasses pas des... Viens, on va protester, mon petit chou. Enfin bon. Plus de temps pour surfer maintenant. Tu ferais mieux de faire des jeux vidéo, chérie. Tu as dit que tu voulais me manier, pas vrai? J'aimerais bien t'accompagner dans le donge. Non, t'es pas bizarre de le trouver plus sexy en forme d'arme. Tu as le droit. Tu as le droit. Tu es objet sexuel. Tu peux. Tu peux. Moi, je le trouve très 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 chou. Je trouve ce personnage excessivement chou et je crois que je vais l'épouser et je vais avoir du mal à faire d'autres dates en attendant. Hein. Parce que je trouve que ce personnage est trop chou. Il est beaucoup trop chou. En fait, au début, j'avais peur dans le en mode son truc en mode je parle pas beaucoup, mais il fait des choses. Moi, c'est les gens qui parlent pas et qui ne font rien et qui font juste rien. Mais il est incroyable. Moi, Jonas, c'est bon. Bah oui, je comprends. Il acquiesce et porte la canette à ses lèvres. Un sourire distrait apparaît sur son visage alors qu'il regarde l'océan. Je pose des questions concernant notre amitié ou notre partenariat ou je ne sais quoi. Je vais t'épouser. C'est en vrai, là, ce que tu comprends pas, Jonah, tu n'as pas de questions à te poser. Je t'ai mis le grappin dessus, et je sais que tu es d'accord. Oui, je sais, il y a des trucs que tu trouves pas sexy, parce que toi, c'est pas ton truc, les gens trop grands, trop... Bah, il est un peu trop masculin pour toi aussi, il est un peu trop... Genre la barbe, machin... Mais moi, je ne peux pas résister à un truc comme ça. Parce que la violence gratuite, c'est pas mon truc. Quoique pour les animaux. Je suis plutôt du genre à signer une pétition pour arrêter la maltraitance animale.
Je comprends, oui. Just ma... Ouais, mais en fait, la violence, c'est pas... c'est le truc de personne, chérie. C'est le truc de personne. Personne n'aime la violence, en fait. Je crois vraiment que personne n'aime ça. Voilà. Jessie m'a dit que malgré ton apparente vulnérabilité, tu aimais t'entourer de gens comme moi. Comment arrives-tu à faire confiance à une âme sœur? À ta place, je sais pas si je pourrais. J'écoute mon cœur. Jonah, j'écoute mon cœur, chérie. J'écoute mon cœur. Son sourire perd de son panache. J'imagine que les âmes ont un certain charme, mais... Je comprendrais parfaitement que tu ne veuilles pas qu'on devienne les meilleurs amis du monde. Mais on pourrait quand même travailler ensemble. Tu sais quoi? J'aurais préféré ne pas être une hache. Mais pourquoi? Mais en vrai, il est trop mignon! Mais pourquoi t'aurais préféré ne pas être une hache? Mon petit chou, je comprends que ça te saoule, je comprends que la mère à côté du gamin t'est traumatisée, que tu vives des trucs absolument affreux en boucle. Parce que t'es une hache. Mais il y a d'autres lames sœurs qui existent. Il y a d'autres lames sœurs. Je pense que si tu connaissais plus de lames sœurs et que si tu crées, je sais pas, bon, un collectif de lames sœurs indépendants qui se bat pour lutter pour la dignité des lames sœurs et si tu prenais une attitude un petit peu moins victimaire et un petit peu plus conquérante, tout, sans renoncer non plus. Enfin, sans effacer non plus le fait que, oui, il y a de la merde que ton groupe de lames sœurs subit, hein. Mais je crois que ce serait bien, vraiment. On va trouver de la force ensemble de faire plein de trucs. Ah bah tu vois, tu le valides à 100%, avec tu le valides. Mais c'est comme ça, on fait avec. Eh oui, c'est chiant. Merci, je ne suis pas de ton avis, mais j'apprécie que tu le dises. Mais j'imagine que si l'utilisation de la violence devient éthique, alors il n'y a pas de mal à en profiter pour arrondir les fins de mois. Re Martinez gay. Jonah finit sa bière et s'étire, son regard fixant toujours l'océan. Oui, parce que, en fait, dans les donges, c'est des monstres qui pop et qui représentent des peurs et des problèmes qu'on a. Et donc ça pop dans la ville n'importe comment et ça fait chier tout le monde. Il aime pas la violence contre les humains, personne n'aime la violence contre les humains. Il n'y a aucun humain qui le fait. Il n'y en a pas. Sinon c'est pas humain. Bon, j'y retourne, tu me diras ça donne moi pour acheter des trucs. On va hacher tout de suite. Salut mon chéri, on va hacher tout de suite. Et il repart en courant vers l'océan, la planche sous bras. Vous rentrez chez vous. Bon, moi je suis accroché au dernier texto qui va... Et toi arrête, on veut plus de toi tout de suite là. Oh le pauvre. T'as le droit d'être négatif de temps en temps, c'est bon, t'as des émotions, t'es un humain. Toi je veux pas lire ton texto, je veux lire Jonah, je suis désolé. Et... Tu sais, désolé d'avoir été si négatif la dernière fois, j'espère que je t'ai pas sapé le moral. Bah non, ça va. Bah non, tu m'as rien sapé en fait, chérie. T'as le droit de pas aller bien. C'est bon. Genre, tu veux en dette, là. Alors, je veux dire, le gars, il dit qu'il y a un truc qui l'a saoulé, qui s'est fait discriminer la gueule, et qui s'est fait virer de son taf parce qu'il y a des patrons à la fois racistes et juste cons. Bah, en fait, moi, ça m'intéresse, genre, ce truc. Oh, super content de le dire, de t'entendre dire. Moi, je vais quand même te montrer mon côté plus joyeux la prochaine fois. Au donge, comme à Verona. Ah bah, ok. Bah, ça marche. Il est où, mon Herschel Modo? Bah, il est juste au-dessus. Tu cherches VHL. Ah voilà, on va tenter un petit bout de donge là avec lui. Ah, on va peut-être regarder la... ses combos. Non, j'ai pas envie de te parler tout de suite, toi. Tu m'as saoulé, t'es désagréable en fait. Je t'aime pas beaucoup. Ah bah, alors lui, les combos, c'est vraiment facile. Ah, ok, on peut faire des attaques lourdes comme ça, mais ça n'a aucun sens, ok. Bon, bah... Enfin, sauf fond à l'arrache, quoi.
Alors on y va. Je laisse le soin à Ken t'expliquer qui est BHL. C'est quelqu'un qui fait peur. Allons, Oui, au donjon. Non mais franchement, avec son petit regard de... Son petit regard abattu, qui est gentil comme tout, il est pas trop fou. Vous montez dans l'ascenseur. Moi, je suis amoureux, hein. À mon RCL de ouf, j'y arrivé. Eh ben, moi, je sens que y a un petit rhum qui va... Les monstres au bio. Au bio, les monstres. Ah, mais c'est trop bien, en fait. Si on time bien, si on attaque lourde, ça nous permet de faire des esquives en même temps. Ah, c'est trop, trop bien. Attendez, je vais un bout. T'es plus sexy que le plus sexy de mes potes. C'est Ken Neveu. C'est vrai que t'es sexy. Agathon, c'est vrai que t'es sexy. Je crois que t'es le plus sexy des fanboys de France. Je crois. Au moins de France. Au moins. Oui, t'as quand même la compétence chouinage poussée assez haut. Trop bien ça. Par contre, moi j'ai du mal à faire bien les combos, mais c'est trop trop bien, c'est trop trop bien, je suis trop content. Ah tiens, on va pouvoir avoir un petit moment en tête à tête avec nous deux. De la glace, bingo! Excellente idée, Coxinou. La glace, c'est la meilleure collation. Un peu comme toi. Oh, il est trop mignon. Mais en vrai, il peut dire des trucs gentils, en vrai. Espèce de charme. Charme. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'ils l'ont pas fait genre musclé sec, comme si c'était... Enfin, comme le canon de beauté classique qu'on imagine. Il a du gras, et c'est très bien comme ça. Moi, j'aime bien. J'aime bien qu'il y ait des types un peu différents. Hein? Un charmeur de glace, ça existe. Mais je reste pas de glace, enfin. Oh, tu veux dire que... Ah, je sais pas draguer, désolé, j'imagine que t'as raison. Le pauvre, il est trop chou! Il rougit et fait diversion en prenant deux cônes à la fraise. Un pour lui et un pour vous. Et j'aime bien la fraise. Oui, j'aime bien, ça va. En revanche, t'aurais pu me proposer mon choix, en fait. T'as choisi pour moi, en vrai, là. Oui, c'est vrai que ça se passe vite. Journée longue, semaine courte. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as mangé une glace? Vous partagez des souvenirs de vos étés passés. Où va finir le cône? Ben, je sais pas. On ne prend pas des glaces avec des cônes. Ouais, moi j'ai plutôt envie d'un truc sans cône. Ça va avec les petits cartons. Ben oui, je t'offre un cadeau. Je vais ouvrir un nounours. Eh, merci, je m'en servirai. Mais non, tu ne t'en sers pas. Profitons du temps que nous avons comme si chaque jour était le dernier. Vous finissez vos glaces et Jonas se glisse dans votre main. J'ai eu peur. Tu vas le lécher ou le gober? Oula! Une table d'art, c'est bien. Et mais le leurre, en fait, c'était vraiment bien. Hein. Si je mets ça là. Toi, on sait que t'as aucune limite, que tu tends vers l'infini. Ouais, on peut dire que je tends mon infini. Ouais. Bon, où est ce poste de malheur?
Je sais pas. Peut-être en bas en fait. Si j'étais moins bête. Ah, on a déjà augmenté son affection. Bon bah on va jusqu'au bout avec lui jusqu'à ce qu'on... Ou qu'on arrive au boss ou qu'on puisse plus rien faire. Ouais, je crois que... Ouais, je crois qu'on est vraiment dans la merde là. Hein. Ah non! Vas-y, tapez ça. Laissez-moi tranquille. Et ça fait peur quand même toutes ces merdes là. Après, mettre des coups de hache qui me font me déplacer comme ça, j'aime bien. J'adore! Après ça, si vous voulez, on va reprendre le... Comment il s'appelle Valyra? Valyria? Il est super encourageant, Jonah. Mais je vais pas m'évanouir. J'espère pas, en tout cas. Voilà. J'ai juste envie de passer sur des îles, en fait. Est-ce qu'il y a des îles dans le coin? Tu adores manipuler des gros manches. Sachant qu'il s'est glissé volontairement dans ma main. Hein. C'est qu'il est d'accord. Non! Ah mais là on peut rien faire. Ah ouais ouais, là c'est vraiment... On arrive dans un couloir comme ça. Ça c'est vraiment compliqué dans le jeu. C'est que parfois on arrive dans un couloir et il se passe des trucs incroyables. Ah, on est niveau 12. On est doué. Ah c'est instant gangbang. Heureusement qu'il a dit que c'était pas grave si je perdais connaissance. Bouh le couloir, bouh MD Testa Burger le couloir, bouh bouh. Ah t'as un nouveau boulot. Bah ça va en fait. Ça va. Bon quand est-ce qu'on va... Qu'on va contacter les syndicats. Ah oui, mais c'est un jeu états-unien, donc en fait, ils ont vraiment pas de code du travail, tu peux te faire virer juste parce que t'existes en fait. Juste parce que ta gueule revient pas au patron. Désolé de tousser. Si c'est désagréable, je sais pas si vous l'entendez bien. Donc tout à l'heure, on m'a demandé. Ouais, il y a des syndicats, mais enfin, est-ce qu'ils ont un pouvoir. Déjà qu'en France, c'est n'importe quoi, des fois, enfin, souvent. Enfin, ça dépend vraiment. Ils ont créé un syndicat pour le jeu vidéo. Oui, mais enfin, créer un syndicat et avoir un pouvoir syndical, c'est pas la même chose. Et la direction des syndicats et la manière de s'organiser à chaque fois dans chaque entreprise, c'est toujours, il y a toujours un gap aussi, quoi. Voilà, il y a toujours un... Alors, je connais pas très bien je connais pas très bien le détail des syndicats en France, mais... Enfin, je... Voilà. Je suis très insatisfait de ce que j'entends, de ce que je vois. Mais peut-être qu'il y a des détails que je connais pas, que je comprends pas. N'hésitez pas, hein, si vous en savez un peu,
à nous donner des pistes pour aller chercher, pour en savoir plus. Quelqu'un m'a appris que la branlette, ça ferait redescendre la thé et donc ça rendrait plus calme. Quoi? Ah! Mais on nous conseille souvent, hein. On nous conseille souvent, mais on sait pas si ça fonctionne. Martinez fait que chanter la Merguez Party, c'est tout. Ah bah d'accord. Très belle chanson, Merguez Party. Donc, allons voir. Merde, mais c'est pas ça que je veux faire. Allons voir notre amie Valira. Est-ce qu'on a un message d'elle? Ah oui, on va aller au musée. On voulait aller au musée avec elle. Pour faire avancer un peu. Je sais pas, mais d'un doute, tu veux pas être un connard. Ouais, faut prendre des précautions, toujours. Toutes les précautions sont bonnes à prendre. En toutes circonstances. Allez, on va voir Verona. Valeria au musée Verona. C'est presque Véronique, hein. À savoir que Véronique, c'est un nom inventé par le diable. Je suis pas croyant, mais je crois dans le diable juste pour ce prénom, en fait, hein. C'est un prénom qui m'irrisse le poil. C'est pour ça que je suis aussi mal rasé. Et aussi mal taillé. À cause de Véronique, toujours. Vous retrouvez Valéria à l'entrée du musée. Elle vous accompagne à l'intérieur. Dès la première allée, Valéria est omnubilée par une statue qui tient deux dagues. Putain, elle tire une gueule. Elles sont beaucoup trop parfaites. La perfection, ça n'existe pas. C'est surfait et ennuyeux. Je suis plus peinture. Trop beau pour être laid ou je me trouve surfait. Trop beau pour être vrai. Bah, tu me trouves surfait. Merde, c'est pas ce que je voulais dire. Toi, tu es parfait. Et pourtant, j'existe. On dirait Agathon. Attends. Quand tu parles de la thé, Agathon, tu parles du café. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Ken, on te suit jamais. On te suit jamais quand tu parles. On dirait Agathon, petit qui découvre le monde. Non, la testostérone, chouchou. Ouais, ben... On dirait Ken qui découvre la thé. Et pourtant, j'existe. Wow. Tu cherches vraiment à me coincer, hein. On va dire que j'y travaille. Valéria vous guide dans le musée. Il vous semble que son itinéraire est davantage régi par ses envies qu'autre chose. Et nous, le second degré? Ah bah oui. Bah oui, ok. On découvre le second degré. Bah oui, quand tu... Non mais quand t'arrives pas à placer une blague, c'est parce que les gens sont trop cons. Bah oui, c'est ça. Tu es trop subtil. Ton esprit est beaucoup trop affûté pour nous. La thé. Ah bah merci Kane, merci. Mais tu vois que ton esprit est tellement plus fin. Tellement plus fin. C'était une occasion parfaite pour offrir un cadeau, mais vous n'avez rien à offrir. Tu recherches encore Herschel, Rome. Elle vous parle de l'art comme s'il s'agissait d'un de ses oncles un peu original, mais en qui elle aurait confiance. Si tu devais voler une peinture d'un musée, de n'importe quel musée, laquelle tu volerais? T'es de la police. T'es de la police. Quelle méfiance! Ah, c'est tout à ton honneur. Je suis juste curieuse. Promis, j'ai pas d'insigne dans ma veste. Tu n'y as vraiment jamais pensé? Pourquoi, comme d'hab, on va me traiter de voleur, quoi? Pourquoi est-ce qu'on fait référence au vol quand on... Eh, tu seras pas ma meilleure pote, toi. Hein. Toi, tu seras pas ma meilleure pote, hein. Ken Hunter qui serait Philip Blake. Cherche Astolfo sur Google, bébé. Tu vas comprendre la vie. Ah ben, go chercher Astolfo. C'est au musée d'Orsay. Au rez-de-chaussée, près des escaliers. Le vrai problème, c'est sa taille, 3 mètres par 2. Et ce serait un crime de le rouler comme un vulgaire poster. Toi, tu y as réfléchi. Ce serait dommage des serpents, tu crois pas? Bah ouais, c'est vrai, ce serait dommage. Ça me servira à quoi de voler quelque chose? Si c'est pour finir en prison et ne pas pouvoir en profiter. Non, à ton tour. Qu'est-ce que tu délivrerais? Oh.
Je connais vraiment la peinture, c'est pas du tout mon truc. Je connais rien, j'ai pas du tout. C'est pas ma culture. Mais je vais te dire le baiser de Clint parce qu'il y a baiser dedans. Et que c'est un mot qui me fait rire. Parce que j'ai 8 ans un peu. Voilà. Voilà. Ça me fait rire. Une œuvre audacieuse, un peu comme ça, si tu veux mon avis. J'aime les musées autant que je les déteste. Enfin, je déteste l'idée des musées. L'art devrait être gratuit, exposé au grand jour et pas vulgairement caché entre quatre murs. Ben, ouais. Enfin, il y a plein de choses à dire sur l'art, je pense. Celui du Ronavitch n'est pas si mal, au moins il est gratuit donc tout le monde peut en profiter. Est-ce que tu as vu le nouveau graffiti sur le centre commercial? Et non, Rome, Astolfo, c'est pas une meuf, c'est un gars justement. C'est un gars très très très. Très 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 féminin, mais c'est un gars. Quand tu regardes le. Justement, ça fait partie des choses rigolotes dans le. Moi, j'ai vu un animé sur Netflix, du coup. C'était quoi le nom de l'animé déjà? Si vous trouvez le nom de l'animé, c'est cool. Et du coup, Astolfo, bah voilà, il y a tout un truc autour. Si est-ce que c'est un gars. Enfin, les gens le prennent pour une meuf au début, et puis ils disent, bah non, en fait, c'est un gars, vraiment, un gars. Et c'est cool. Voilà. Est-ce que tu as vu le nouveau graffiti sur le centre commercial? On devrait y aller un jour. J'adorerais savoir ce que tu en penses. Certains pensent que c'est l'œuvre des Roses de Vénus. Tu sais, ce gang de graffeurs dont personne ne reconnaît le visage. Ils ont peut-être pensé que Verona Beach avait besoin de se refaire une beauté. Alors que vous commenciez à en apprendre plus sur elle, l'attention de Valeria s'est soudainement détournée. Vous regardez autour de vous, espérant trouver la raison de ce brusque changement de comportement. Vers l'entrée du musée, vous reconnaissez l'homme du parc, il semble vous épier. Excuse-moi, je m'en occupe. Ah, et puis même, tu peux très bien avoir des nichons et être un mec, hein. En fait, faut que tu comprennes que le genre, donc être homme, femme ou non-binaire, globalement, c'est pas la même chose que ton corps à la naissance. En gros, tu vas avoir, en fonction des organes génitaux qui te sont présentés quand tu nais, tu vois, si t'as un petit zigougoui ou une petite zigouégouette, souvent, quand tu nais, la plupart du temps, on va dire, voilà, t'as un petit zigougoui, t'as un zizi, t'es un garçon, t'as une zézette, t'es une fille. Tu vas être éduqué en fonction de ça. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui se sentent pas à l'aise avec le fait d'avoir été élevées en tant que fille, alors que ces personnes ont une zézette, on va dire, et vice-versa, tu vois. C'est pareil pour. Bah ça, tu connais pas bien les questions de transidentité? C'est vraiment très très simple, hein. Si tu veux, de toute manière, je referai peut-être une fois une vidéo, enfin un petit live pour répondre aux questions basiques et expliquer les choses simplement là-dessus. Ou bien je pourrais te recommander, je ferai un listing sur le Discord si ça intéresse des gens. Vous pouvez trouver le Discord juste comme ça. Attends. Je ferai des trucs basiques pour expliquer les. Je mettrai des liens dans le salon qui correspond pour expliquer ces choses basiques. Ce que c'est que le genre, ce que c'est que la transidentité dans les salons. Voilà. Lui murmure quelque chose à l'oreille. Il semble étrangement proche, comme s'il se connaissait depuis toujours. Et c'est bien que tu poses les questions, enfin que tu. Voilà. C'est pas grave de pas savoir. Il vaut mieux poser des questions qui ont l'air complètement connes dans ta tête, qui se dit ouais mais c'est con, je vais me faire prendre pour un abruti. Bah non, en fait, c'est bien. Au moins, on te dit comme on peut, comme on sait. On essaie de t'expliquer les choses simplement. Elle lui murmure quelque chose à l'oreille. Il semble étrangement proche, comme s'il se connaissait depuis toujours. Valeria finit par revenir, contrariée, le teint rougi. On se casse! Pour aller où? Qu'est-ce qu'il faisait là? Enfin, moi, je m'en fous du roman, si je parle pas de ça.
J'ai pas envie d'en parler, je vais continuer de passer du temps avec toi. Bah d'accord. Oh, en licence, ah c'est bien ça, on peut... Ouais, les amis sont qu'on fait plus longtemps, c'est mieux. C'est bien, on peut le cesser. Alors, on y va? Bah, restons amis. Ouais, ok, c'est sans doute mieux comme ça, hein. Vous continuez la visite du musée, Valeria a l'air absente. Oui, je veux être pote avec elle, je veux pas autre chose. Je t'appellerai. On finissait par rentrer chez vous. Et je mange pas de fromage. Donc ça va être dur la dégustation. Quoique, en fait, il y a des fromages que je mange, hein. Les fromages de cajou, je les trouve pas mal. Il y a beaucoup de fromages de cajou que je trouve vraiment cool. Mais il y en a plein que je trouve vraiment affreux. Avec un goût de plastique. Je parle de fromages végétaux. Parce que je mange pas de fromage de vache ou je sais pas, de trucs comme ça. Mais un fromage végétaux, il y en a qui sont affreux, quoi. Faut arrêter. Faut juste bien les faire. Et pas prendre vaguement du. De l'huile de coco et dire c'est du fromage parce que ça a vaguement un air de quoi. Si ça a la gueule du fromage mais que ça a pas le goût du fromage, ça ne donne envie à personne, calmez-vous. À part faire du bait, ça n'a pas d'intérêt. Les gens qui prennent ces produits-là, c'est pour un goût aussi, mince. Donc on va aller au donjon, on va essayer de faire un tour avec Valira. Bon, bah à la fin, hein. En fait, je crois que je devrais farmer un peu hors stream pour monter les armes. Mais en même temps, vous risqueriez de pas pouvoir voir bon, allons-y. Les étapes de drague. Je vais pas encore à bout. Je peux pas vaper et jouer. Hein. Ah, c'est vraiment trop bien. La confusion, c'est trop trop bien. Et puis en plus. C'est vraiment trop bien. C'est... En fait, je crois que la dague c'est vraiment trop fort. Ah, tu trouves que je vape beaucoup? Bah, tu sais quoi, je suis d'accord avec toi. Faudrait que je reprenne des patchs. Ah, dans un vrai centre commercial pour une fois. Ah, bah oui. Alors, on a une petite scène. On va prendre le temps de se détendre un petit peu, non? Vous installez dans les chaises de massage, elle commence à vibrer et à vous masser. Ah. C'est déjà terminé, vous vous sentez plus détendu. C'est une occasion parfaite pour offrir un cadeau, mais vous n'avez rien à offrir. Valeria s'étire dans un grognement de satisfaction. Je pense que les monstres aussi se font masser quand ils sont pas occupés à essayer de nous tuer. Je pense pas, non. Elle acquiesce, reprenant son sérieux habituel. Avec leur colonne vertébrale toute déformée, pas étonnant qu'ils en aient besoin. Tu veux une cigarette? Ah bah j'ai plus de cigarettes, je prends plus de tabac. Tu vois bien que c'est cigarette électronique. Ah, donne-moi 7 cigarettes. Ah, j'ai compris. Jusqu'à ce qu'on leur brise la nuque. Allez, on y retourne. Bah en fait, le manque de nicotine, il est tellement plus gênant pour moi que autre chose. Je suis vraiment maintenant. Je fais là. Ah, mais la confusion, c'est vraiment trop pété comme pouvoir. C'est vraiment trop pété. C'est vraiment pété. Je vous jure, j'ai juste à rouler juste à côté. J'ai juste à rouler
à côté. Mais c'est un truc de fou. Zine du soir. Zine du soir. Espoir. Alors, enfin, je pense que du coup, on peut faire des builds marrants. Pas mettre le... Enfin, là, j'ai le leurre, ça sert plus à rien. Comme pouvoir, là, je pose le leurre. Ouais, ça ne sert à rien. Avec la roulade. Regardez, ça sert vraiment à rien si je roule à côté. Faudrait que ça marche. Ouais, ça marche vraiment avec les épées qui ont pas trop de CC là, le leurre. Il meurt pas, Martinez, j'ai décidé qu'il mourrait pas. Je sais pas qui c'est, hein. J'ai juste vu sa tête, hein, mais un mec aussi beau doit pas mourir. C'est comme ça. Se fait défoncer la gueule. Oula. C'est chaud des fois. Après, je pense que juste après ça, enfin, je vais le plus impossible avec elle, hein. J'irai. C'est toi qui l'as tué? C'est pas vrai, tu l'as couvert de bisous parce que t'avais envie que ce soit ton meilleur pote. Ou parce que ça pourrait d'avoir autre chose que meilleur pote avec lui, hein. J'ai décidé que je mettais une option dessus. Oui, moi des options sur les gens. Je suis comme ça. Ah. Pourquoi elle me sert pas de mes pouvoirs des fois? Parce que je suis bête. Il se prend un coup de club de golf, puis il est traîné dans une fosse remplie de zombies, qui ont la fâcheuse envie de le vider de ses tripes. Aïe. Ah oui, il y a des fins qui sont un peu plus douces. Ouais, je connais des trucs comme ça, c'est un peu doux des fois. Ah tiens. Costume améthyste, c'est le prochain truc que je vais faire là. Dès qu'on sort, je le fabrique et je vais porter un costume pour changer. Ouais, je dis pour changer, mais je crois que la dernière fois j'avais porté un costume aussi. Combien qu'elle est à... Ah oui, 10 déjà. Je crois que je suis en train de clean tous les tâches inutilement là. Quoique, en fait, plus on tue, plus on gagne d'XP. Et là, du coup, le design, vous en pensez quoi en fait? La gueule du jeu, les persos, comment ils sont dessinés. Moi j'avoue, c'est pas trop mon style, le style en jeu là. Les persos, la manière qu'ils ont d'être dessinés, je les trouve plutôt sympas. J'aime bien ce style là. Mais là en jeu, ça me plaît moins. J'aime pas trop En fait, j'aime pas trop les couleurs. Je sais pas comment vous expliquer aussi clairement que ça. Mais j'ai l'impression. Alors, ça c'est parce que je suis très très chiant. Hein. Le choix de couleur, il est trop simple. Ou alors peut-être trop coloré. Mermine, toi je te connais pas assez encore pour trouver un personnage de Walking Dead qui te ressemble. Alors je serais aussi Axel dans la prison fédérale de Géorgie. Mais j'irai jeter un œil à Axel. Ah, ça fait du bien de se tirer après une longue session de potage de cul. Quand je suis en dingue, je suis plus concentré. Mais du coup, ça met tout mon corps en tension. Est-ce que ça fait mal? Non, non, c'est un bon entraînement. Juste que je m'étire une fois que c'est fini.
Je donne un coup de coude complice et ça s'assume dans le bas de la fontaine. C'est l'occasion parfaite pour offrir un cadeau, mais vous n'avez rien à offrir. Vous restez assis côte à côte. Maintenant, je passe. Merci. Merci, c'était cool. J'ai besoin de plus de moments calmes comme celui-ci dans ma vie. Mais maintenant, je suis prêt à y retourner. Là, ça m'inquiète, là. Voilà, ouais. On va des couloirs comme ça. En fait, c'est juste à faire une roulade et ils arrêtent de jouer, quoi. Ouais, d'accord, faut que ça soit juste à côté. Faire le tour par là. Ah, on fait body block, c'est trop chiant. Là, je finis pas des mobs, je passe à un autre. Je joue très 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 mal. Ça n'est pas parti du contrat, ça, bordel. Ah, ça casse les pieds. À la moustache. Voilà, j'irai voir. Ah, cool! Il y a un ascenseur, donc on peut crever tranquillement, c'est pas très grave. Est-ce qu'il y a un boss par là? Ah non, c'est juste un putain de défi. Non, ah, bon, on a perdu, mais c'est pas grave. Nervine, tu serais Dale, un esprit sage dans un corps de papille avec une chemise à fleurs. Dale, c'est comme ça qu'on dit? Niveau 13, on est bagarreur. On est bagarreur. How dare you? Ouais, c'est vrai que c'est pas trop son truc à Vermine. Alors, créer. Moi, je veux mon costume améthyste. C'est ce que je veux. Magnifique. Magnifique. Ouais. Et en cadeau, patron macro free. C'est un cadeau. Pizza au pepperoni. Rose rouge. Cupcake gourmet. Bon, bah on va faire rose rouge. On commence par des trucs un peu. Macro free. C'est quoi ce délire? Macro free quoi. Coucou Poupinouette et Fidon. Comment vas-tu donc? T'as raté un super date. On a fait un date avec K-pop. Alors K-pop apparemment c'est le plus populaire ici hein. Comment il s'appelle K-pop? Je suis dans le groupe de K-pop là. Un 7. Et oh tiens, on va encore créer ça. On va tout créer. Et donc apparemment, il y a encore l'autre meuf là qui l'avait. Bah oui, mais j'y peux rien, c'est les gens qui ont voulu hein. T'as quand même pas travaillé hein. Toi aussi tu travailles. Sérieux. Tu travailles, c'est tout. Et t'as manqué mon nouveau mec, parce que lui j'ai décidé que c'était mon mec. En temps les ennemis, trop bien ça aussi. Putain mais y'a que des trucs bien. Bon je vais prendre des mines si j'ai... Ah non quoi que... En temps les ennemis c'est encore mieux. Ouais, et on est... t'as manqué mon nouveau mec. Il est beaucoup trop chou. Oh il est plus joli en violet le costume, en fait. Non, vraiment, le style graphique me plaît pas. C'est pas moche, mais c'est vraiment trop dépouillé, trop simple.
C'est correct pour un truc aussi simple. Mais ça me plaît pas du tout, quoi. J'ai l'impression que c'est du FF7 à l'ancienne, en moins boudiné, juste. Juste en légèrement moins boudiné. Oui, c'est vous qui avez choisi, en plus. Mais si vous voulez, on peut voir si on peut avoir un autre rendez-vous avec lui, hein. Il nous envoie un message, je pense. Voilà. Après, on est parti voir un film ensemble. On va reprendre avec lui. Donc, alors, il pète sa pile. J'arrête pas de repenser au film. Les personnages étaient tellement idiots. C'est pourtant pas compliqué de pas se séparer dans un endroit rempli de monstres. Les personnages de fiction prennent toujours les pires décisions. Les besoins scénaristiques ou on fait tous des erreurs? Cherche Axel et Dale aussi, Walking Dead, c'est mes personnages préférés. Alors, si jamais Vermine vous dit « je suis innocente », ne l'écoutez jamais. Hein. Elle n'est jamais innocente. Vermine, c'est la malice. Voilà, c'est presque le mal incarné, si le mal pouvait s'incarner. Voilà. Mais on sait tous que le mal est partout. Oui, Vermine, tu es comme ça. Tu es coupable. Coupable de naissance. Tu es coupable de naissance. Surtout si elle dit qu'elle est pure et fraîche. Alors déjà, fraîche, je sais pas. Pure. Purement chaotique ? Question mark ? Pour reprendre son expression préférée ? Ouais, c'est besoin scénaristique, arrêtez quand même. Ah, c'est bon, Casper. Si un jour quelqu'un écrit ma biographie, est-ce qu'ils vont faire exprès d'ajouter des erreurs que je n'ai pas commises pour vendre plus ? J'espère que... Bref, passons. Mais on s'en rend à foutre. On en a rien à foutre, Seven. Rome, Vermine, faut dire elle ou yel. Voilà. Du coup, on va enchaîner à... Bah, on va essayer de voir si on a un rendez-vous avec lui. Non, il est casse-pied, hein, Seven. Hein. Ça y est, ça s'embrouille entre vous. Ça y est, c'est la fête. Eh ben, embrouillez-vous. Eh ben, embrouillez-vous. Va faire la béchamel, Kane. Bah alors techniquement là, le seul avec qui on peut parler, ça va être notre chouchou Jonah en fait. Il y a un nouveau boulot. Bah félicitations. Ouais non, Seven c'est un sale gamin. C'est un sale gamin. Il va faire une rentrée d'argent, va me faire du bien. Rejoins-moi au Bravura, je t'offre le dîner. Mais il est trop mignon. Je suis désolé, je suis obligé d'aller vers lui, hein. J'ai pas de... Ils ont pas d'option végétarienne. Super, on y va. On y va. Alors, les restos avec les options végétariennes, eh ben, il faut être assez sympa avec eux, parce que parfois, ils n'ont pas l'habitude. Alors vous avez le droit de râler, de péter des piles, hein, si jamais ils se trompent, quand vous leur demandez une option végétarienne ou végétalienne. Mais mettez-vous en tête, si vous êtes dans mon cas, hein, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, dont une fois à Lyon, alors que j'étais en vacances, chez une très bonne copine à moi, d'avoir du poulet ou genre de trucs. Les gens, ils ont pas l'habitude. Essayez d'être sympa avec. C'est plutôt rare. Arrêtez de vous disputer. Faites l'amour, pas la guerre. Non, faut jamais dire à Kane de faire l'amour. Jamais, 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 jamais. Jamais. C'est... Tu vois, s'il y a une chose qui est contre nature, c'est Kane et faire l'amour dans la même phrase. Tu ne peux pas. C'est même contre nature. J'ai trop de respect pour elle pour l'aimer. Oui, voilà. Voilà. Jonah est assis à une table, triturant une serviette en papier. Oh, il est trop mignon. Hey. Oh, hey, Coxinou. Content que tu sois là. Je me sentais pas à ma place dans un endroit aussi chic tout seul.
Bah, t'es un chic type. Mais ça te va bien. C'est ce qu'elle t'a dit là, là. Je comprends pas de quoi. Qu'est-ce qui est castré? J'en rigole. Si tu le dis, je me sens comme une méduse au milieu des requins. Oh, oh. C'est vrai que ton regard me pétrifie de bonheur. Peut-être, car je n'ai jamais pu me payer ce genre de restaurant avant. Ça sert, je peux, parce que j'ai des réductions. Le bravura m'a donné ma chance. Ah, t'es sérieux? T'es cuisson peut-être? Ouais. En quelque sorte, pas vraiment. Enfin, un peu. Je suis nouveau comme une cuisine. Eh ben, c'est bien. Autant dire le larbin du chef. Mais nique ta mère, Eric. Mais nique ta mère, Eric. Il est trop content, il a un boulot. Il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et tu viens... Je vais le tuer. Venez, on va chez Eric. On va brûler sa maison. Venez, on va prendre Eric. On va crever les pneus de sa voiture. Ça, c'est les mecs de droite qui vous écrasent, là. Nique-toi, 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 nique-toi. Oh, merci, bonjour Eric, tu viens pour, ici pour le dîner aussi? Monsieur le blanc. Ouais, viens, on défend. C'est pas Ricouille, Ricouille c'est mignon. Mais c'est mignon. On l'appelle pas Ouille, on finit pas en Ouille pour lui. Non, j'aime juste m'aller dans les restaurants certains soirs de semaine, je compte les dans des fourchettes et je repars. T'es un connard. Oui, bien sûr que je suis là pour manger, je suis bien triste de pas avoir Coxino pour m'accompagner. Jamais, jamais, tu m'entends? Never. T'es devenu ma némésis, Eric. T'es devenu ma némésis. Il n'est pas trop tard pour changer de table, mon cher. Non, merci. C'était pas une vraie invitation, de toute façon, profite bien de ton repas. Le tartare est excellent. Mais t'es con ou quoi? On est vegan. Tu veux te joindre à nous? Je pense pas que le serveur nous en voudra. Et tenir la chandelle pendant que vous mangez des moules frites. On ne mange pas de moules. Alors déjà, on mange pas de moules, au sens propre comme au sens figuré, et encore moins des moules. Avec toi? Sérieux? Je préfère la vraie vermine, celle qui arrive presque à être opiniâtre. Trop tard, je t'attends en bas de chez toi, un VH, YOLO. Balboule bim, choisis tes armes. On fera, si vous voulez un soir, on fera un live Vermine contre Kane, le combat divin. On fera ça un jour. Eric continue son chemin dans le restaurant sans se retourner. Enfin, j'ai plus parlé. Et il est que 21h30. Ah, Eric, je le préférais quand on était à l'école. Bref, oui, comme une cuisine, je prépare les ingrédients, couper les légumes en lamelles, en dés, et même parer la viande. Ah, je suis désolé pour toi. Les ennemis touchés par Houl ont 50% de chance de saigner, les ennemis touchés par Houl ont 50% de chance d'être étourdis. Plus de dégâts ou du CC? Comme d'hab, du CC, encore du CC, c'est toujours bien le CC. C'est le second comique qui me manie. Utiliser ma forme d'arme pour quelque chose d'aussi professionnel est un bol d'air frais. Ah, en fait, t'arrives en hache. Ok. Lorsque j'étais ado... Oh, c'est trop bien. Bah, tu vois que le fait d'être une hache, tu peux t'en servir dans la vie. C'est cool. Lorsque j'étais ado, ma mère me maniait pour couper le bois. C'était plus un jeu qu'autre chose. Les habitants de Verona Beach n'ont pas besoin de bois pour se chauffer. Ils ont besoin que leur nourriture soit préparée. Bah, félicitations. J'ai le choix. J'aime beaucoup avec lui, j'ai toujours le choix. C'est désormais comme ça que la France a fait à l'Afrique. Ma lame n'est pas vraiment faite pour ça, mais ça fait l'affaire. J'aurais juste aimé que le chef, que la chef soit un peu plus aimable, elle est clairement au bout du rouleau. Il arrive même d'hurler des insultes à travers la cuisine, l'ambiance est parfois pesante. Et toi, quoi de neuf? Quelle nouvelle ramènes-tu des profondeurs du donjon? Votre assiette arrive, vous continuez de discuter en mangeant. Les pâtes sont fraîches et la sauce a un goût divin. Tu veux qu'on se partage un gâteau au chocolat noir? Ou alors le... Mince, je sais pas ce que c'est...
Avec plaisir, on partage. Voilà, on en prend un chaque et on partage. Ouah, je sais pas si je peux acheter tout ça. Oh, désolé, mais je t'en prie, prends des cercles de pierre. Ah, merde. Ah. Mais non, mais je voulais qu'on partage. J'avais pas compris que c'était un peu rush. Ah, merde. Oh. Ah ben on mange chacun notre dessert, je suis désolé, c'était excellent. Bon je sais pas si... Mais je... Non mais en fait je peux payer ma part aussi, hein. Ça me gêne pas. Voilà, on est deux à être à la dèche, c'est pas grave. Bon je sais pas si ça vaut réellement ce prix là, mais ça en valait le détour. Et puis avec mon rabais d'employé, ça m'a coûté 2$ de moins. J'imagine ça m'empêchera pas d'aller dans le douche de temps en temps. Surtout si je vais pouvoir me faire quelques cadeaux, hein. Comme de la cire pour ma poche. Et je meurs, oui maman. Est-ce que je peux te raccompagner chez toi? T'as rien à craindre à Verona Beach, mais une bonne marche nous fait du bien à tous les deux. Bah si tu veux, ouais. Ok, ça va mieux. Vous vous dirigez chez vous en bonne compagnie. Le son des criquets est une douce brise. Et une douce brise rend le trajet agréable. En bas de l'immeuble, il se raidit subitement et se gratte la tête. Je sais que Jesse a dû te dire qu'on est sortis ensemble, je voulais juste te dire que ça faisait super longtemps et que ça a pas duré. Ah, désolé. C'était plus une expérience qu'autre chose. Je veux dire, j'essaie pas de ressortir avec Jesse à travers toi ou un truc tordu du genre. Je dis pas ça parce que tu embrasses super bien ou quoi, mais je t'aime bien, beaucoup même. Je voulais que tu le saches. On lui fait un bisou. On lui fait un bisou. Vous esquissez un pas vers lui, vous sentez son parfum, un mélange d'ambre et d'épices. Vous vous retrouvez dans ses bras, son torse est musclé, sa langue a encore le goût doux et amer du chocolat noir. Ah ça, j'ai pas l'habitude de lire des romans à l'ouvre ce genre de truc, mais en vrai c'est rigolo. Parce que... Il y a des petits détails qui sont marrants. Wow. Ok, c'était quelque chose. Bonne nuit. Salut. Bah monte en fait. Oh c'est bon, on n'a pas 8 ans en fait, monte. Mais on n'a pas 8 ans, monte. Il s'éloigne, vous devinez qu'il sourit jusqu'aux oreilles. Non mais on n'a pas 8 ans, putain. Vous montez et tombez de sommeil dans votre lit. Ils ont oublié de préciser tout seul. Aucun intérêt. Ah là là. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Bon, si on a un texto de l'autre loulou, on va prendre un rendez-vous avec Seven, vous l'aimez beaucoup. C'est votre préféré. Est-ce qu'on a un texto de Seven? Non. Est-ce qu'on peut le rencontrer ailleurs, notre ami Seven? Si vous voulez, on va essayer de sortir avec, mais juste pour si ça vous fait plaisir. Moi, je veux pas de Seven. En fait, je suis en train de tourner pour voir si on voit... un emplacement avec un rendez-vous quelque part. Elle refait une sacrée partie à la rate. Ah, en fait, vous êtes en train de vous parler sur un Discord, là, c'est ça? C'est pour ça que... Ouais, d'accord, Kane. Kane, si tu fais encore chier les gens, genre mes modos, je vais te prendre et je vais t'exclure de la chaîne. Voilà. C'est mes petites modotes. Ah mais parce qu'il est, pénible des fois, hein. Il faut le menacer, même si on le pense pas, hein. Mais il faut le menacer. Il semblerait que la Los Angeles Planet Company sont arrivés en ville. Énergie sacrée, qu'est-ce que c'est que ça? Ça coûte 100$. Essence de malfaisance. Ah, ça doit être. Ok, ouais, c'est bon. On prend des billets, mais on peut aussi prendre des trucs chelous. Ok, bon.
Non, j'ai fait pas d'achat. Parce que là, il y a le... Voilà, les dialogues, c'est bon. Ok, j'ai des billets, vous voulez du popcorn? Bah, bien sûr. C'est quoi cette conversation à 3? Non, merci. Oh, regardez, c'est le coccinou! Tu veux te joindre à nous? On va voir Double Lame. Attends, il y a mon cousin, son pote et... Seven. Journée ciné, wouhou! C'est un film sur un épéiste qui infiltre une mafia de l'âme sœur pour sauver son petit ami. Oui. Ça a l'air un peu vu et revu comme concept, mais les critiques sont vraiment bonnes. Je t'ai pas eu le billet. Bah d'accord. Bah d'accord, hein. Ça nous coûte rien d'aller voir un film avec notre crush, notre cousin et... votre crush. Pourquoi j'appuie alors que je dis pas? Pour un bibliothécaire, le personnage principal est anormalement musclé, mais la dynamique entre lui et son amant vous arrache un sourire. À un moment, l'épéiste court de toit en toit tout en se faisant poursuivre par tout un gang de l'âme sœur. Le film se termine sur une scène de combat épique entre l'épéiste, son petit ami batte de baseball, et une armée d'épées en tout genre. Alors que les crédits défilent, vous réalisez que l'amour triomphe toujours. Pas mal, hein? Les effets spéciaux étaient malades. Ah ouais, ils ont vraiment fait des progrès de ce côté-là ces dernières années. J'invoque la loi de la béchamel. C'est vrai, la loi de la béchamel, elle devrait nous protéger dans Kane Hunter. Qu'est-ce qu'elle fait, la loi de la béchamel, enfin? Qu'est-ce qu'elle fait? J'aime bien comment ils ont rendu la chef de la mafia détestable jusque dans les moindres détails. Comme prendre la poignée des subordonnés sans leur demander. Ah ouais, on prend pas la poignée des subordonnés sans demander. En tout cas, merci pour l'invitation, Seven. C'était cool. On devrait se refaire ça à l'occasion. En fait, ce que je trouve rigolo dans ce jeu, c'est qu'apparemment, avec tous les... Alors, il y a des trucs qui ont... Il y a eu des ratés, hein. Dans leur... Ah, je ne vous embrasse pas, je vois en guise de revoir, il est chou. Il y a eu des ratés. Mais là, le fait de glisser les questions de... on touche pas les gens qui sont pas d'accord, machin... et on insiste. On en parle plus ou moins subtilement dans un jeu qui est fait pour un public qui, quand même, est censé... est censé être dans cette optique-là. Je trouve ça cool. Il y a juste le coup du baiser un peu par surprise qui avait été proposé à un moment. Moi, c'est pas mon délire et je trouve ça un peu... Voilà. Mais il y a au moins une tentative dessus que je trouve sympa. Il n'y a pas que le fait de pouvoir skinner son perso en fonction de ce qu'on veut et de pouvoir le genrer comme on veut. Et d'avoir des options de date en fonction de ce qu'on... Enfin, des options différentes qui est cool. Il y a aussi ces petites choses dans l'histoire, moi, qui me convient. Je sais pas ce que vous en pensez. Si vous connaissez aussi beaucoup de jeux comme ça, où on peut avoir des dialogues qui font en sorte de... de pas trop... Alors, c'est super pifou, hein. Et c'est pas trop mon truc tout le temps. Il y a des choses dites pipou qui me conviennent. Mais pas toujours. Là, pour le coup, ce qui concerne les questions de l'amour et des relations humaines de un à un, je veux dire en 1 à 20, c'est bizarre, ça me... Moi, ça me convient, je trouve ça cool. Oula, ça continue à dire des mots d'amour. Jonah vous embrasse sur la joue, à demain. Au revoir. A bientôt, cousin. Ah, on peut faire monter les deux. C'est cool, ça. Retourner à vos activités. C'est cool qu'on puisse avoir des moments improvisés comme ça avec les gens par hasard. On se fait un dernier tour de donge, on va tenter... Je pense que le prochain rendez-vous, on va là. Oui, je suis bête. C'est normal. C'est normal parce qu'on avait déjà fait la petite étape de date avec Seven. Là, on en est au même point, du coup. Maintenant, si vous appelez encore la loi de la purée ou de la béchamel, vous aurez celle qui est restée collée au fond de la casserole. Ah bah d'accord. Ah bah d'accord.
prends qui? Seven ou... J'ai pas envie d'être avec Xander aujourd'hui. Tu prends Seven ou Jonah? J'ai envie que des deux là. Je vous laisse 2 secondes, je vais appeler un peu. Je me demande qui va prendre juste. Ah tiens, j'avais encore un rendez-vous possible avec lui, ok. Il sait pas cuisiner, c'est vrai, je suis d'accord. Il cuisine avec le cul. Moi je suis d'accord. Bon, ben, je vais finir par choisir, du coup je prends Jonah. Et je vais direct au 11. Parce que c'est mon chouchou. J'ai rien appris moi, ok, laisse-moi tranquille. Déjà je te tolère sur mon chat, me parle pas. Hein. Reste où t'es, hein. J'ai rien appris, reste où t'es. Me parle pas. Juste qu'importe me parle pas. Ce qui se passe ce soir. Je suis content que nous soyons tous les deux. Et toi t'es chou aussi. C'est vrai que t'es content. Non, je t'apprends rien, laisse-moi où je suis. Et j'arrive pas à rapper, c'est quoi ce truc? Ah, peut-être que mon baristan est en train de mourir. Laisse-moi tranquille, je te dis, Kane, je te connais pas. Non, il accuse jamais. Jamais. Ah, c'est ça la houle. C'était fun le temps que ça a duré. Ouais, c'était fun le temps que ça a duré. J'ai fait que de la merde. On va rentrer à la maison, on va recommencer. C'était pas ouf, hein. C'était pas ouf du tout, on tombe dans le donjon. Il reprend le 11. Donc la houle, c'est juste le... Le coup de base, quoi. C'était prêt quoi sur l'aventure, ouais. Bah, je testais ma nouvelle compétence. Ce soir. Parce qu'en fait. Je suis content que nous soyons tous les deux. Mais t'es trop chou, Jonah. En fait, cette technique-là, elle a 50% de chance de stun les gens qui sont touchés. Et je l'ai mal utilisé, quoi. J'essaie de comprendre ce qui marchait et ce qui marchait pas. Ah, cool. Ça fait des dégâts. Maman. Oui, maman. Ça fait des dégâts, mais monstrueux. Ah, bah non, ça serait pas tant de dégâts ça. J'ai dû avoir des gros crits en boucle. Ou juste rêver d'avoir des gros crits. Le stun c'est quand même efficace. J'ai rien fait de spécial, c'était trop bien. C'était vraiment trop bien. C'est rigolo, alors là le gameplay c'est vraiment, j'appuie juste sur en boucle sur Y pour le bouton d'attaque lourde si vous préférez. Il est précoceophobe. Et puis de toute façon précoce c'est juste une estimation hein, personnelle, hein, c'est subjectif. Voilà. Merde. Cet endroit a l'air sympa. On va jouer. Ah, quand j'étais ado, je passais mon temps à jouer aux jeux vidéo. Je ne faut plus les heures passer une manette entre les mains. Aujourd'hui, je retrouve ces sensations quand je surfe. Je regrette rien, c'était fun. On a tous besoin d'une barre d'expérience pour nous rappeler notre progrès de temps en temps.
Y'a rien de mal à s'évader à travers un exutoire, pas vrai? Bah je fais pareil. C'est cool ça. On devrait se faire quelques parties, hein, ces quatre, hein. Bah viens, on joue. Il vous adresse un sourire plat et hausse les épaules. Coucou corbeau! Ah bah on a enfin le corbeau qui est passé. Je dis enfin parce que du coup j'ai pouvoir un peu parler de toi, c'est trop bien que tu sois là. S'il y a des personnes qui connaissent pas Corbeau, Corbeau propose. Corbeau est vraiment très doué en dessin et dans tout ce qui correspond aux arts graphiques. Il fait des bandes dessinées. Là il est sur un projet qui va bientôt. Qui est en cours, un jour il va venir par nous montrer où il en est, s'il finit, genre. On attend de voir. Il y a toujours des super projets, c'est toujours super queer, évidemment. Il stream également, donc vous avez pas. C'est pas compliqué de trouver sa chaîne. Il suffit de cliquer sur son nom là. Mais pas en ce moment, je crois. Hein. En ce moment tu streams pas trop. C'est pas trop possible avec les soucis de co, mais je crois que tu restes actif sur TikTok, sur YouTube. Enfin bref, si vous voulez de la culture queer super cool, adressez-vous à Corbeau, vous verrez plein de trucs. Et si vous-même, vous possédez une chaîne et que vous cherchez des bons illustrateurs qui font un travail très correct, très beau selon ce que vous proposez et rapide, parce que souvent ça va, hein, Corbeau, tu travailles plutôt vite. Bah vous adressez à Corbeau, vous verrez. Même c'est, je crois que c'est arrivé sur Twitter. Tiens, là, je t'ai fait toute ta promo, Corbeau. Tant qu'on est ensemble, vous n'avez plus besoin de m'évader. Pourquoi tu te caches? C'est vraiment bien ce que tu fais. Moi, il n'y a pas beaucoup de gens dont je parle comme ça. Hein. Ou alors, je parle de. On a l'impression que je parle de beaucoup de gens, mais je parle que de gens. Dont j'apprécie le boulot. Donc pour le coup, ce que tu fais, c'est plutôt cool. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui apprécient ton travail. Vu que t'as beaucoup de commandes encore en cours, à ma connaissance. Ah, j'essaie des choses. Je suis là de Moscou. À ce qu'il paraît, j'ai des espions partout. Je dois tellement être aux aguets que je n'ai pas le temps de penser à quoi que ce soit d'autre. Voulez-vous offrir un cadeau? Bien sûr. Alors, est-ce qu'on lui offre un petit cupcake ou une rose rouge? Une pizza au pepperoni. Qu'est-ce qu'on lui offre? Bah moi, à chaque fois que j'entends parler, Corbeau, t'as toujours des commandes en cours, donc... Allez, your hot cupcake. Ah, il a kiffé. Eh, merci, je m'en servirai. Il a kiffé. Ah bah, trop tard, fallait répondre plus vite. Pas grave, fidèle. Oula. J'ai pas le droit de vaper. Eh mais en vrai, c'est vraiment trop pété. J'ai pas besoin de bien jouer, j'ai juste besoin de mettre que des gros coups en boucle. Privilège. Ok, après ça qu'elle me propose un truc, on le fait pas juste pour le plaisir de... Juste pour faire du diamant. Qu'est-ce que c'est par là? Ah. Regarde ça. Une casquette encore? Un chapeau melon. C'est pas vraiment. Casquette. Ah, il est presque 10h. Fini le donjon, je fais une très courte pause de
Enfin, on finit le donjon, on finit les tâches, quoi. Je fais une micro-pause pour me chercher à boire. Quoique... Là, on va avoir un boss, normalement, là. Non ? Continue, chérie. Comment c'est pas l'étage du boss ? Ouais, c'est un peu plus genre. Non, je veux pas mourir ! Non, tu me touches pas, tu me touches pas. Et voilà, et voilà ! Mais il est trop chou, Jonah. Mais Jonah, mais t'es trop chou. Vous voyez, moi, si j'avais un chat qui me parlait comme ça, et ben je jouerais encore mieux. Bah non, même pas. Heureusement que Jonah est là. Hein. On le sent, le soutien. On le sent, hein. Moi aussi j'adore gagner Jonah quand je suis avec toi. Allez, on fait une petite pause. Vous vous asseyez côte à côte sur le bord de la fontaine et vous laissez l'eau s'écouler. Parce qu'il veut mon boule. Je pense qu'il veut mon boule. Voulez-vous offrir un cadeau? Bien sûr. Alors là, pizza cette fois, hein, pour faire plaisir. Ah, et fidèle. Ah, il n'aime pas ça. T'es sûr que ce cadeau était pour moi? Je préfère que tu le gardes et que tu l'offres à quelqu'un qui l'apprécierait à sa juste valeur. J'aime que tu n'aies pas peur de l'eau, ça lui permet d'avoir des moments comme celui-ci. Ben voilà, pas de pizza. Voilà. On s'imagine pas une vie où je serais obligé de rester enfermé. Ben d'accord. Et là, pour le coup, Bou est fidèle, hein, quand même. Hein. J'ai même pas fait gaffe en plus qu'elle était au pepperoni la pizza. C'est un homme. Merci. Le don j'ai souterrain est paradoxalement plein de grands espaces. En tout cas, assez d'espace pour que tu me bannis. Oh oui, je vais te manier. Donc ouais, on finit l'étage, je vais me chercher à boire et on regarde la vidéo. Oula. Ah, bah c'était le boss dont on parlait. Ah non, un papillon en plus, mais c'est dégueulasse, non. C'est dégueulasse, je déteste les papillons, c'est là. Non, je veux pas voir ça. Je vais te défoncer. Ah, c'est l'horreur. Ah. Non mais vraiment, hein, je mens pas, hein, j'ai vraiment une phobie des papillons, c'est pas du rire. Donc si c'est une chenille à papillons, j'ai pas qu'une pile. C'est horrible. Ah ah ah. C'est l'horreur, je veux pas voir ça. Mais en plus ça a des points de vie, on veut tuer, voilà cette merde. Oh, je les stun, super. Mais on n'est pas sûr. Elden Ring, moi, les patterns, j'ai plein de choses à prendre, donc arrête de me les stopper, juste meurs. En revanche, mes pouvoirs d'endormissement, je suis pas trop sur ce truc-là. Hein. J'ai mis life et j'ai déjà plus de recharge. Bon, on va les trancher en deux, ouais, c'est pas trop une merde. En revanche, je peux pas... Non, je me suis fait grignoter par des papillons. J'ai tellement mal joué. Bon, bah, je vais devoir apprendre
Les patterns, hein. Bon, on va rentrer à la maison. Mais on est niveau 14. On est dueliste. Eh, dueliste. Donc on rentre à la maison. Je vais... Du coup, je vais quitter le jeu. Ouais, il est 10h pile en plus. C'est parfait. C'est parfait. Faut tuer les... Bah oui, c'est sans deck, faut les tuer dès qu'ils pop. Le problème, c'est que... Je joue mal. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et c'est pas trop les ads qui m'ont trop pété la gueule, hein. C'est juste sur la fin, j'ai paniqué, donc j'ai fait mes roulades tout le temps dessus. On peut pas passer au travers en faisant des roulades, ça j'oublie à chaque fois, mais voilà, dans ce jeu on peut pas. Non, ce qui m'a le plus fait dégâts, c'était le boss en lui-même avec ses autos. Ça m'a fait mal. Et oui. Donc ben, on va peut-être quitter. La sauvegarde d'auto a été faite, c'est bon. Donc du coup, je vous dis à tout de suite. Je fais la petite pause, je vais me chercher à boire. Et je suis là pour la deuxième partie. Du coup, je vais quitter le jeu que j'ai pas vraiment quitté. Voilà, super. Je vais. Voilà. Alors, la vidéo du jour. Aujourd'hui, je vais vous montrer une vidéo de Wissam Zelka. Donc, Wissam, c'est son prénom. Alors, qui c'est ? C'est un militant décolonial antiraciste qui est très investi aussi dans un média qui s'appelle... Alors peut-être que je dis des petites bêtises à chaque fois et n'hésitez pas à revoir derrière. Donc qui est très investi dans un média qui s'appelle Parole d'honneur. Vous trouverez la chaîne YouTube très facilement sur YouTube. Parole d'honneur, c'est pas très compliqué en plus. Comme nom à retenir. Je vais vous donner un lien vers sa chaîne Twitch. Et sur ce lien là, vous verrez toutes ces tous les liens qui le concernent, que ce soit la chaîne de Parole d'honneur, son Twitter perso, Insta et compagnie. Je vous montre en même temps. Ta, ta, ta. Il est également, oui ça, mais également, alors je sais pas où il en est d'un point de vue universitaire, mais un de ses sujets d'étude, c'est les masculinités subalternes, donc en gros, tout ce qui n'est pas les masculinités hégémoniques. Là. De fait, une compréhension assez importante des masculinités queer et tout ce qui est attenant. Mais même si son centre, son point focal dans les luttes,
c'est l'antiracisme et l'anticolonialisme. Voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit globalement pour résumer qui il est. Ça c'est sa chaîne. Enfin ça c'est sa. Ouais, sa chaîne Twitch. Voilà. Donc la vidéo que j'ai choisi de vous proposer. Donc les premiers concernés ont-ils forcément raison? Je la trouve intéressante, pas uniquement d'un point de vue antiraciste, parce que forcément, oui, c'est un militant antiraciste, mais ça peut aussi, pour toutes les autres formes de lutte spécifique, comme les mouvements LGBT+, les mouvements queer, ça peut aussi être intéressant à être utilisé dans cette optique-là. Vous voyez ? On va la lancer et vous allez voir en quoi on peut déporter ce qui est dit là, l'utiliser ailleurs. Coucou Smolly Gigalad, comment vas-tu? Tu viens pour la partie... Oh, tiens, j'ai ramené du coca, mais en fait j'avais pas vidé mon café. Super, hein, je suis malin. Et j'avais soif. En même temps, avoir soif et boire du café... Attends, je me sers mon coca quand même, alors que je pourrais lancer, je suis bête. Donc je vais lancer. Est-ce que les blancs, ils ont le droit de parler de racisme? Alors, selon certaines personnes, les blancs, ils n'ont pas le droit de parler de racisme, même de racisme anti-blanc. On y reviendra dans une autre vidéo. Comme les hommes, ils n'ont pas le droit de parler de sexisme. Comme les hétéros, ils n'ont pas le droit de parler d'homophobie, parce qu'ils ne sont pas concernés, ils ne sont pas premiers concernés. Eh bien, on va parler de ce terme-là, de ce sujet, les premiers concernés. Qu'est-ce que c'est un premier concerné? J'arrête là, tout de suite. C'est vrai que j'avais oublié de préciser un truc. Faites bien attention à ce qui est dit et avancé précisément. N'extrapolez pas, s'il vous plaît, n'extrapolez pas. La plupart du temps, il essaye d'être précis dans ce qu'il dit, en tout cas dans les vidéos, si jamais en live... Il décrit quelque chose et que c'est pas assez précis, évidemment il est en live, ça peut être vu. Voilà, n'allez pas au-delà de ce qui est dit. Et si vous avez le moindre truc, on revient de toute manière là-dessus. Les premiers concernés, ce sont les personnes qui sont victimes directement d'une oppression. Par exemple, sur le racisme, ça va être les non-blancs, ça va être les noirs, les arabes, les asiatiques, les roms. Sur le sexisme, ça va être les femmes. Sur l'homophobie, ça va être les homosexuels. Donc c'est eux les premiers concernés, c'est eux les premières victimes de cette oppression. Et donc les blancs, comme ils ne sont pas premiers concernés, ils n'auraient pas le droit de parler de racisme. Et en fait, il y a l'idée aussi sous-jacente que les non-blancs, ils peuvent parler de racisme et surtout, ils ont forcément raison sur le racisme. Ce qu'ils vont dire, c'est forcément juste, c'est forcément sourcé. Et ça, ça pose problème, ça pose plusieurs problèmes. Tout d'abord... Alors, à votre avis, du coup, je repréchote les questions. Qu'est-ce qu'il pourrait faire, avant d'avoir son argumentaire, d'après vous, qu'est-ce qu'il pourrait faire que, en tant que personne qui ne vit pas directement une forme de discrimination, une forme d'oppression, qu'est-ce qu'il pourrait faire qu'on pourrait avoir quand même le droit de s'exprimer dessus sans être un agent direct, on va dire, de l'oppression en question. Je reformule ma question, peut-être qu'elle n'était pas claire. Qu'est-ce qu'il pourrait faire que une femme pourrait... Je reprends encore ma question, c'est la fatigue, je suis désolé. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'un homme pourrait parler de sexisme, du coup? Essayez de réfléchir à ça, on va... Essayez vraiment d'y réfléchir et de faire votre petit cheminement. Essayez de faire votre cheminement. Vous n'avez pas 4 heures, c'est juste essayer d'y penser et de voir du coup comment lui va dérouler sa logique. Ok ?
c'est essentialiste. Ça donne l'idée que si on est noir, si on est arabe, si on est asiatique, eh ben on sait forcément tout sur le racisme d'emblée. Alors ça, toi tu dis qu'il est difficile de parler d'un problème dont on n'est pas la victime, c'est tout. C'est justement le thème de la vidéo. Si c'est vraiment renseigné sur le sujet, mais après je vois pas pourquoi il devrait en parler de base. Il devrait en parler de base. Tu n'as pas tous les scénarios. D'accord. Donc là, ce qui en ressort, c'est le postulat de départ, si j'ai bien compris, hein, qui est, bah tiens, si tu n'es pas concerné par un problème directement, si tu n'es pas victime potentiellement d'un problème, d'un truc, c'est juste difficile. Mais ça voudrait dire... Ah, voilà, là on parle d'intérêt du groupe. Mais tu peux très bien être un groupe voisin, on va dire, ou un groupe allié au groupe dont tu vas parler. Donc ne pas directement être concerné, mais en parler, parce que tu as intérêt... Là, tu parles d'intérêt du groupe. C'est autre chose encore, c'est vrai. Ça peut ajouter là-dessus. Et c'est pas du tout ce qu'il commence à développer en disant que c'est une forme d'essentialisme, de dire que puisque t'es une personne qui vit une oppression particulière, du coup tu nais comme ça, magiquement, en sachant tout de ce que vivent les personnes qui partagent ta condition. Tu vois ? T'as pas 4 heures. Vas-y. On attend juste ta phrase et ensuite on va... Là, on en est qu'à une minute, hein. On est vraiment pas ultra avancé, j'aime bien. Essaye de nous mettre les infos au fur et à mesure que tu veux dire, parce que là, si je vais pas pouvoir attendre toute la fin, et pourtant je bloque un peu la vidéo. Est-ce que ce serait pas comme dire que tous les trans vivent la même chose et que donc une personne trans, c'est tout du sujet? Oui, un peu, Kane. Pas parce que tu subis une discrimination, pour autant tu es porte-parole de ton groupe ou expert du sujet. Exactement. Et fidèle, c'est à double tranchant, ça ajoute une pression supplémentaire au groupe concerné. Je sais pas si ça ajoute je comprends pas ce que tu veux dire, fidèle. Mais oui, en effet, tu n'es pas porte-parole de ton groupe ou expert du sujet parce que tu n'as pas... Ça renforce l'idée que les groupes qui sont créés artificiellement, qui sont des résultats artificiels ces catégories qui sont des constructions artificielles sociales, sur beaucoup de points, sont souvent des catégorisations artificielles, comme la race, ce genre de choses, ça voudrait dire, du coup, si jamais c'était le cas, hein, qu'elles sont naturelles, là, c'est pas le cas, on le voit, que c'est pas le cas, qu'une personne noire, elle ne naît pas en connaissant toute l'histoire des personnes noires. Pareil pour un arabe, tu vois, ou un gay, en effet. Et donc, tu ne peux pas être porte-parole de toutes les personnes, et ça voudrait, de toutes les personnes qui partagent ta condition. Et ça voudrait dire que, bah oui, les personnes sont interchangeables. C'est un peu bizarre. Donc, je reprends. Comme ça, il n'y a pas besoin d'apprendre. On sait ce que c'est le racisme, on sait ses sources, on sait ses origines, on sait comment ça se matérialise, mais ça ne marche pas comme ça. Et surtout, y a un problème, c'est que dans la réalité, les Noirs, les Arabes, les Musulmans, les Asiatiques, les Roms, ils vivent pas tous le racisme de la même manière. Ben là, ça me semble redire ce qu'on a déjà dit entre nous. Deux salles, deux ambiances, tu peux connaître les mécanismes d'oppression sociale en question ou les juger en action ou les subir, mais ne pas être érudit du sujet, ou les deux, ou aucun des deux. Dans ce cas, tu es un blanc cis être riche qui pue. Oui, bien sûr qu'il y a le biais inter-individuel, bien sûr. Enfin... Mais oui, tu vis pas les choses de la même manière. On a tous une expérience différente de la façon de vivre le racisme. Vous allez avoir des personnes qui vont être révoltées, qui vont donc s'engager de façon militante,
Mais vous avez aussi, dans le contraire, des gens, des personnes qui vont intégrer ce racisme. On a des personnes qui vont entrer un peu dans ces clichés racistes. Et on a beaucoup d'exemples comme ça. Et le plus grave là-dedans, c'est que la logique des premiers concernés, elle n'est pas forcément subversive, elle n'est pas forcément progressiste. Elle peut être aussi utilisée par nos adversaires. D'une grande erreur 404. Voilà, voilà. Ça, c'est aussi un gros écueil de la logique des premiers concernés. Parce que si on l'apprend... Là, je parle de, là maintenant, je parle pour les antisèmes blancs riches. Qui comme des personnes racisées défavorablement qui votent RN, bah, ou même qui participent activement, genre Jean Messia, il s'appelle, hein. Parce que je confonds avec... Des fois, Jean Massier, mais c'est pas, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout la même personne, mais comme au niveau des sons, c'est proche, des fois, je me trompe. Oui, donc voilà. Si on l'apprend, il faut pouvoir l'appliquer partout, sinon ce serait complètement incohérent. Stratégiquement, en plus de ça, en plus d'être un fait qui est complètement... Bah, qui se vérifie pas matériellement, qui se vérifie pas par l'expérience, stratégiquement, c'est d'une débilité profonde. C'est débile! Dans le logiciel gauchiste aujourd'hui, parce qu'ils vont assister à une ovation de ce qu'ils appellent les fascistes, les racistes et les nazis, en train d'ovationner un Français d'origine immigrée. On a souvent... Alors oui, alors c'est bien, c'est, là tu parles de ce courant homo-nationaliste, les gays du RN, Agathon, en effet, les gays du RN, ils sont dans un parti qui a une histoire qui est ultra queerphobe, entre autres parce que y a une histoire de... Enfin, c'est ultra-patriarcal, et aussi... j'essaie de reprendre de retrouver le mot, c'est un mot très simple. Ils sont dans un délire nataliste et du coup, ils ont besoin de promouvoir le couple hétérosexuel productif. Et si, c'est évidemment. Hein. Du coup, il y a eu toute cette histoire-là. Mais ils sont alliés avec les homonationalistes parce que, de toute manière, ce qui est pire pour eux, c'est quoi? C'est leur peur du grand remplacement, des Arabes et des Noirs, un peu des Asiatiques. Mais pas trop parce qu'on considère qu'ils ferment trop leur gueule, ça fait aussi partie du cliché un peu crado. Voilà. Oui, il y a ces gens-là aussi qui vont donner cette image dédiabolisée. Voilà. Et en effet, oui, ce gars est juste très con, on est d'accord. Ils vont souvent utiliser les personnes racistes, les personnes réactionnaires, les personnes conservatrices vont souvent utiliser la logique des premiers concernés pour leur propre intérêt. Ils vont souvent dire bah, regardez, cette personne elle est noire et elle pense comme moi, cette personne elle est musulmane et elle pense comme moi. Et on a plein d'exemples comme ça de personnes non blanches, mais qui vont... Attendez, je suis un peu con, j'interromps tout de suite, même si je vais le remettre un peu en arrière. J'ai oublié de modifier les infos du stream, j'ai pas mis en just chatting. Discussion. Ah. Ok. Parce que s'il y a des gens qui veulent venir voir Loulou, là, c'est un peu compliqué. Je cherche un mec virtuel, ça va être chaud. Bah, le titre, on va le garder parce que, en fait. Bon, allez, on va modifier le titre. On va modifier le titre vite fait. Pour vous faire plaisir. Hein. Commentaire. Les premiers concernés. Vidéo de Wissam. Voilà. C'est bon. Donc on va remettre un tout petit peu en arrière pour pas couper sa phrase. Et voilà. On a plein d'exemples comme ça de personnes non blanches mais qui vont servir les intérêts racistes et les intérêts réactionnaires. Sur le thème de l'islamophobie, on a l'imam Chalgoumi. Et dans le cadre des questions queer, qui est-ce qu'on a comme PD de service qui raconte de la merde comme pas possible, qui est parfois encore plus réac que certains PD du RN,
On a notre ami Delormeau, hein. On l'aime lui aussi. Non, Chalboumi, il est bien gratiné, quoi. المشهور في العالم العربي والعالم الإسلامي هذه القوة لكم وأن تكون ضد الشرع. Alors, là, je précise quand même qu'il parle à une armée d'occupation. Voilà, il parle à un représentant d'une armée d'occupation, une armée qui colonise, qui tue des gens en boucle, qui même s'il y a des lois internationales et des accords, les respecte à partir d'un État qui les respecte pas. Et il leur dit, vous devez vaincre le mal. Enfin. Ça s'appelle un token, hein. C'est vraiment ça, la base du token. Et c'est pour ça, entre autres, c'est ce que met Wissam en exergue. C'est le principe du token. Bah oui, bah les premiers concernés, c'est des tokens. الذي سيمس الدول العربية وخاصة نظام الشر الذي ينفق على الإجرام في حزب الله وحماس والحوثيين وغيرهم الذين لا يريدون السلام للمنطقة ولا للعالم العربي ولا كذلك إلى الدولة الإسرائيلية والكل إن شاء الله تعالى أنتم تكونون السبب لاستقرار هذه المنطقة. الإمام الشلقومي c'est un arabe, c'est un musulman et il alimente l'islamophobie. On a Carteron, il est noir, mais il alimente, il va dans le discours du pouvoir blanc. On nous a importé une culture américaine, comme si en fait les blancs étaient, m'avaient interdit de monter dans un bus, etc. etc. Ah, donc en fait, c'est du bourrage de crâne. Et vous voyez bien, les références de tous les mecs de cité, c'est les Malcolm X, c'est ceci, cela. Il n'y a pas d'islamophobie, c'est totalement faux. Cette histoire de ceci, cela, ça fait partie du paysage. Moi, j'ai des gens qui sont voileux, qui viennent chez moi. Voilà, c'est pas mon truc. Donc déjà, ça, c'est une première critique sur le... Je sais pas ce que je peux ajouter, à part que sa vidéo est bien faite là-dessus, il l'a bien illustré, je sais pas quoi dire, quoi. voilà jusqu'où on peut aller. Mais il y avait aussi une femme qui s'appelait Stella, je ne connais plus son prénom, une femme noire qui s'appelait Stella, quelque chose que vous retrouverez facilement, qui raconte les mêmes trucs, quoi. Voilà. Oui, non, mais ah non, mais Agathon, si tu connaissais pas ce monsieur, bah voilà. oui, enfin, il y a des choses comme ça. Et ça fait... C'est des armes, c'est... Comment ta copine Nadine? C'est des armes qui sont données directement à l'extrême droite. Voilà. Que ce soit une extrême droite partisane ou à des courants d'extrême droite. C'est comme ça. C'est directement ça. The Darkest Timeline Intensifies. Et ça, c'est des vieux extraits, hein, parce que la vidéo, elle a... Enfin, des vieux extraits, la vidéo, elle est pas sortie hier, hein. Ça fait un moment qu'il a sorti cette vidéo, Wissam. Hein. Vous le voyez aussi, parce que là, il a des cheveux, alors qu'en ce moment, il s'est rasé. Vous le verrez si vous allez sur son stream. Bon, je reprends. Premier concerné. Et on a vraiment plein d'exemples, surtout nous les Arabes, on a vraiment plein d'exemples sur ça. On n'est pas aidés, hein. On a Zaineb El-Razoui. Les événements récents, le guet-apens organisé à une petite patrouille de policiers par une centaine de je ne sais pas qui c'est, de racailles. Bon, il faut dire les choses comme ça. Moi, j'ai vu un peu ce qui se disait sur les réseaux sociaux. Les gens de tous horizons étaient absolument unanimes. Il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là. Non, mais oui. Ah bah si. On a Zorabitan. Il faut que la police tire à balles réelles, voilà. Une arabe le dit, c'est que c'est pas raciste. Si une arabe le dit, c'est que... Non, mais c'est pas une question de race. On a Jean Messia. Ces personnes, elles se définissent même comme arabes. Elles mettent en avant le fait qu'elles soient arabes pour donner leur position, pour dire, bah, regardez, moi, je suis premier concerné, je connais ces gens-là, et donc vous avez raison d'être réactionnaire, vous avez raison d'être conservatrice, parce que ces gens-là sont dangereux. Donc voilà, le truc du premier concerné, rien que pour ça, il faut le relativiser, il faut avoir quand même une distance sur ça. Donc, et c'est pareil, pour du coup, on va aussi transposer pour les questions queer. Le PD qui va vous dire... Oui, Rachida Dati aussi. Rachida Dati, encore, elle dit qu'elle a vécu du racisme. Ça, elle le dit. Il y a déjà des interviews où elle... Alors, après, c'est pas une combattante... c'est pas une antiraciste. Hein. Elle fait même... elle fait même tout pour paraître intégrée et compagnie. Hein. Voilà. D'ailleurs, elle dit qu'elle va à la messe de la mairie... de sa mairie d'arrondissement, même si elle n'est pas catholique...
Elle y va même régulièrement, etc. Non, pour reprendre, et ça va être encore ma cible comme d'hab, prenez tous les PD qui vous disent « Non mais ça va, maintenant, machin, j'ai pas de problème », qui vont avoir la même rhétorique de « Oui, mais on a des problèmes que si on se montre trop, genre si on est folle, machin, on va avoir des problèmes, ça va, j'ai juste eu une fois quelqu'un qui m'a insulté, j'ai juste eu... » Ils vont avoir la même rhétorique que ces personnes noires ou arabes qui vont... c'est des Mathieu Delormeau, quoi. Ils vont pas prendre en compte l'ensemble des choses, aussi. Il y a aussi pas mal de biais du survivant dans ces conneries-là. Dans ces exemples de token. Faut aussi le prendre en compte. Bon, on va reprendre. Oui, pas que. Il y a aussi pas mal de ça. Évidemment, Agathon, qu'est-ce que tu veux nous ajouter comme exemple? Qu'est-ce que tu veux nous ajouter, auquel j'ai pas pensé là tout de suite? Je fais comme si j'étais agacé, mais en vrai, je suis pas agacé. Parce que ça le stimule quand je fais l'agacé. J'imagine que tu vas me dire qu'il y a l'internalisation de stéréotypes, qu'il y a certaines personnes, c'est dévastateur d'accepter que la violence systémique existe. Et oui, exactement, parce que ça remet en cause l'idée de justice qu'on peut se faire. Il y a beaucoup de personnes, et c'est un des moteurs de la société de la méritocratie, de la dite méritocratie, c'est d'avoir ce mythe d'une société juste, donc ce qui m'arrive, je le mérite, etc. Et tout se passe de façon individuelle, et on réussit de façon individuelle. Il y a aussi ça. C'est vrai que c'est compliqué pour certaines personnes d'accepter. En effet. En effet. Il y a le fait d'internaliser aussi des stéréotypes, c'est normal ce qui m'arrive. Et pour certaines personnes, sans être dans ce... Enfin, pour continuer dans la psychologie, même si je crois que c'est pas du tout l'objet de la vidéo de Wissam, mais ça peut expliquer des choses, hein, je dis pas le contraire, ça peut expliquer des choses même au niveau de groupe, en effet. Il y a aussi peut-être le fait d'avoir comme stratégie la tentation de ressembler un maximum au groupe qu'on se représente comme dominant. Et donc, pour se représenter le groupe comme... Enfin, pour se fondre dans ce qu'on se représente comme le groupe dominant, ben, gommer ce qui peut paraître déviant, je pense. Et donc, gommer... Enfin, ce qui peut paraître, ce qui peut nous faire paraître différent, donc gommer des conséquences d'une oppression qu'on pourrait avoir. Il y a peut-être ça. C'est un instant le faux glacé. Je sais pas, c'est une hypothèse. Hein. Donc allons-y, on va reprendre. Pourquoi les blancs aussi doivent parler du racisme? Je vous rappelle qu'on est dans un pays du Nord où notre projet de grand remplacement n'est pas encore mis en œuvre et donc la majorité elle est blanche. Donc ça serait complètement idiot de se dire que non, il y a seuls les non-blancs. Au cas où il y a une personne qui traîne sur le stream et qui ne comprenne pas ce que dit Wissam quand il dit notre projet de grand remplacement il n'est pas encore mis en œuvre, il ironise. Voilà, il s'amuse. C'est jamais. Les blancs qui parlent de racisme, ça sert à rien de parler de racisme entre nous. Faut que les blancs aussi, ils en parlent. Alors certes, les blancs, ils auront plus tendance à dire n'importe quoi sur le racisme ou à s'opposer à l'antiracisme politique. Mais c'est normal, c'est pas dans leur intérêt direct. Et ils n'ont pas vécu l'expérience du racisme qu'on a nous. Donc c'est normal qu'ils aient une opinion un peu maladroite sur le racisme. Mais ça, c'est pas quelque chose qui est bloqué. C'est quelque chose qu'on peut changer, c'est quelque chose qui peut changer. Ils peuvent se former dessus, ils peuvent lire, on peut les confronter sur ces questions. Donc c'est à nous aussi de mener ce travail vers eux. Donc non seulement les blancs, ils ont le droit de parler de racisme, mais on les pousse à le faire. Faut qu'on pousse les blancs à parler de racisme. Mais la logique des premiers concernés, elle a quand même un intérêt, elle est quand même importante. Pourquoi? Parce que c'est issu de l'expérience qu'ont eu les non-blancs dans le champ politique, dans le champ militant. Alors voilà, il y a aussi le fait que le racisme, les queerphobies également, sont des choses qui... Touche pas à mes privilèges de HB, CHR, ok? Il y a aussi le fait que,
Effectivement, ils vont mal en parler, les gens qui sont pas concernés, mais ils vivent dans une société où ces systèmes existent. On vit dans une société où tous les systèmes, que ce soit le racisme, le patriarcat, tout ce genre de choses, existent. Et donc ça touche tout le monde. Et les contraintes, elles peuvent, dans certains... Oui, on avait compris, Agathon. Et les contraintes, elles sont, en tout cas, ces forces systémiques, on va dire, elles influencent sur tout le monde. Donc c'est aussi intéressant que les gens en parlent, même pour elles-mêmes, même que les qu'un blanc parle de racisme. Ok, là j'arrive pas, perso j'arrive pas à voir en quoi le racisme ça peut pourrir un blanc. J'arrive pas. Mais pour le sexisme, je peux comprendre, je peux voir en quoi il y a des limites qui sont imposées également aux hommes, même si ça touche davantage les femmes. Pour le racisme, j'ai du mal. Donc, je crois que je vais revenir en arrière sur ce que j'ai dit. Juste, les blancs parlaient de racisme, c'est bien. Ils ont vu que leur Si problématique. quelqu'un trouve un truc, trouve un élément qui pourrit, qui est défavorable dans le système raciste aux personnes blanches, dites-le-moi vraiment, hein, je suis très sincère, j'arrive pas à trouver. J'arrive pas à trouver. Mais aidez-moi, hein, je le demande sincèrement. À eux, les problématiques racistes n'ont pas été prises en compte, même par les forces de gauche, même par les forces progressistes. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que même les mouvements de gauche, même les mouvements, par exemple, syndicalistes aux États-Unis, ça c'est un exemple important, ben, ils excluaient les Noirs de pas leurs danser. syndicats. Il y avait même du racisme dans la gauche. Et on a aussi eu l'exemple en France. L'exemple le plus parlant, c'est l'exemple de SOS Racisme. Alors, pour faire un résumé rapide, SOS Racisme, c'est né de la marche des beurs. Et en fait, c'est une récupération, SOS Racisme, de la part du Parti Socialiste pour mettre la main sur toute la marche des beurs qui a été faite par les premiers concernés, pour mettre la main dessus. Donc, la marche dite des beurs, donc renommée plus tard en partie par les médias de l'époque, qui s'appelle, à ma connaissance, à l'origine, ben, comme c'est marqué, Marche pour l'égalité et contre le racisme. Donc c'est une marche au départ, une organisation qui a été faite par des personnes donc, qui vivaient ce racisme et qui se sont organisées entre elles pour protester, pour essayer de créer un mouvement. C'est ensuite qu'il y a eu une récupération par le Parti Socialiste en créant SOS Racisme en réponse à cette volonté de dignité de ces catégories-là. C'est ça qui l'explique en gros. Et pour mettre un peu leurs intérêts. Les Beurs reprochèrent donc à SOS d'être une officine du Parti Socialiste, une organisation à la solde de François Mitterrand et du Château. Grâce à l'alibi intouchable de l'antiracisme, SOS faisait tampon entre les socialistes et les jeunes des banlieues. SOS Racisme était là parce que la gauche partisane, toutes ses composantes, les syndicats, ne se préoccupaient pas de racisme. Ils s'en fichaient complètement. L'État se devait de briser la marche des beurs. Il mit alors tout en œuvre pour saboter cette auto-organisation en médiatisant à outrance certaines officines pseudo-antiracistes. Celles-ci s'employèrent de tous leurs moyens financiers à étouffer la marche pour l'égalité sous les milliers de décibels de concerts gratuits et leur antiracisme de pacotille. Et le problème de SOS Racisme, comme ça a été récupéré par des personnes qui ne sont pas concernées par le racisme, alors elles ont un peu déradicalisé les combats. Et donc... Voilà, on en revient quand même au fait que oui, il faut, quand on est concerné et qu'on a des intérêts dans une lutte précise, pardon, je vais tousser. Il faut quand même considérer le fait que quand on porte une lutte, tout le monde n'a pas les mêmes intérêts. Et donc là, en l'occurrence, c'était pas dans l'intérêt du Parti Socialiste de l'époque d'avancer en ce sens-là. Ou en tout cas, d'avancer vraiment en ce sens-là. D'avoir une officine, comme dit juste avant, qui gère vaguement ça, qui s'en occupe de loin, et qui amoindrit les désirs radicaux de lutter contre ce mal à la racine,
et le transformer, c'était ça le but. Non mais je rigole, mais véridique pour les boulots mal payés de DJ et videur, les blancs sont défavorisés à l'embauche, vraie étude. Ah bah d'accord. Non mais tu vois, c'est ce genre d'exemple, c'est bien de m'en parler, enfin de nous en parler. En vrai, il y a apparemment des désavantages, voilà. Bah c'était une question sincère, merci pour la réponse sincère. Merci pour la réponse sincère. J'imagine que dans certains cas, t'auras moins, c'est horrible à dire. Mais t'es une femme et que tu cherches un boulot de femme de ménage, j'imagine qu'on prendra... Bah oui, c'est bien le truc pour les métiers qui sont mal considérés. T'auras plus de facilité si t'es noir, arabe, pour obtenir les postes, j'imagine. Super. Non mais ça fait un avantage quelque part. Hein. On va les compter. Donc on reprend. Donc par rapport à cette expérience qu'ont subi les premiers concernés dans le racisme, ils ont pris en compte cette tentative de récupération et ils ont réfléchi, ils se sont dit mais non, on ne peut pas se laisser faire, il faut qu'on s'organise entre nous, il faut qu'on s'organise entre les premiers concernés, non pas parce qu'on a forcément raison sur ce combat, mais parce que c'est nous, on a le plus intérêt à faire changer les choses, c'est nous, on a le plus intérêt à faire changer le racisme et c'est nous, on aura le plus intérêt d'aller jusqu'au... C'est parce qu'on pense que ces personnes sont plus faciles à faire piller car plus précaires. Ouais, mais après c'est le serpent qui se prend la queue. Je sais pas quels sont les rouages de ça, à part évidemment le racisme et la précarité, c'est lié. Les questions racistes, c'est imbriqué dans les questions de classe. Mais après, de quelle manière c'est fait, je sais pas. Et là, pour en revenir à la vidéo en lui-même, je t'en remets un tout petit peu en arrière. À faire changer le racisme, mais c'est nous, on aura le plus intérêt d'aller jusqu'au bout du combat. Et donc, par rapport à ça... Voilà, il reprend sur l'intérêt qu'on a, à quand on est concerné, à aller quand même au bout du truc, parce que bah, voilà, ça nous touche directement. Ils ont créé le concept d'autonomie. Et ça, c'est très important. Il faut le dissocier des premiers concernés. Donc, vous voyez, là, on va poser une nuance entre qu'est-ce que c'est que premier concerné. Donc la dénomination qu'on avait jusque-là, et l'autonomie. En quoi c'est différent? Cette autonomie effective, elle implique trois choses. La première, c'est l'autonomie organisationnelle, c'est-à-dire qu'on est dans nos propres organisations, avec nos propres mots d'ordre, avec nos propres objectifs, avec nos propres manières de lutter. Et cette autonomie organisationnelle, ça ne veut pas dire qu'on est en totale opposition avec les organisations blanches ou qu'on est contre elles, mais c'est juste que parfois on peut s'allier avec elles selon certaines conditions, mais parfois aussi on peut s'opposer. C'est ça l'autonomie, c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'on nous laisse la liberté de s'allier, mais aussi de s'opposer avec la gauche blanche. C'est important de distinguer une lecture des premiers concernés en termes collectifs et autonomes plutôt qu'en termes individuels. C'est aussi pour ça que son organisation, ses organisations, enfin le mouvement auquel il va appartenir, lui il se considère, il dit, ne pas être de gauche, entre autres à cause de l'histoire qu'il y a eu entre les mouvements de gauche et l'antiracisme, même s'il peut avoir une grille d'analyse sur plein de points qui vont être proches et qu'il refuse pas, hein. Mais lui il va se dire du sud, plutôt que autre chose. Et quand on écoute Ouria Boutelja, donc qui est la personne qui théoriquement l'inspire le plus, je crois. Hein. Donc quand on écoute elle va dire qu'il y aura un soutien avec ce qu'il y a de plus proche. Des alliances qui vont se faire avec ce qu'il y a de plus proche, donc la gauche, mais elle ne souhaite pas en faire partie, pour ces raisons-là. Parce que il y a une lutte antiraciste dans son point de vue, il y a une lutte antiraciste à mener, et que donc, il faut ne pas la compromettre. C'est important de faire ça. C'est important de ne pas s'inféoder à d'autres organisations, qui peuvent faire passer les questions antiracistes, comme ça s'est déjà fait, à la trappe et au second, voire troisième plan. Voilà.
Moi, je suis premier concerné, moi, je suis arabe, moi, je suis musulman. Mais ce n'est pas parce que je suis musulman, arabe, non-blanc, que je connais et que j'ai raison sur tous les sujets islamiques ou sur tous les sujets arabes, ou même sur le racisme. Ça ne veut pas dire que j'ai forcément raison. Donc, c'est pour ça qu'il faut plutôt penser en termes de collectif et en termes d'autonomie. Parce qu'en plus, quand on pense en termes de collectif, on va voir émerger plein d'autres idées nouvelles qu'on n'avait pas pensées tout seul. Et surtout, on va donner du poids à certaines idées, comme l'anti-impérialisme, comme la critique du progressisme. Voilà, il y a vraiment plein de choses qui vont venir quand on pense en termes de collectif. Et en parlant de production théorique, la deuxième chose importante en termes d'autonomie, c'est l'autonomie théorique, c'est-à-dire de parler avec nos propres mots, créer nos propres concepts, parler des choses qui nous concernent, nous, des problématiques qui nous concernent directement. Et pas se voir imposer certaines questions par d'autres organisations. Non, non, on va traiter de nos problèmes, mais surtout en parlant avec nos propres mots. Oui, c'est ce que je disais avant. Enfin, la troisième chose importante en termes d'autonomie, c'est l'autonomie financière. L'argent, c'est le nerf de la guerre, je ne vais rien vous apprendre dessus. Et on ne peut pas dépendre des autres, on ne peut pas dépendre des institutions. Surtout que maintenant, il faut signer la charte sur les principes républicains. Actuellement, éducateur sportif, je m'occupe de petits boxeurs et j'emmène les enfants sur les bases de loisirs de l'Île-de-France avec la région Île-de-France. En fait, moi, à la base, je suis pour la laïcité extrême. Vous voyez, comprenez ? Moi, je suis pour la laïcité extrême. Et nous, on ne va pas signer ça. Et on ne peut pas non plus dépendre de certaines associations comme Open Society. Parce qu'en fait, quand vous recevez de l'argent de certaines associations, c'est d'une part parce que vous respectez certains critères de respectabilité pour recevoir cet argent. Mais en plus, dès que vous recevez un financement d'un organisme extérieur, vous êtes un peu lié, vous êtes un peu enchaîné. Vous allez faire attention, consciemment ou inconsciemment, vous allez faire attention à ce que vous allez dire. Vous allez vous auto-censurer. Et donc, si on veut avoir une liberté de ton, une liberté de parole, de parler de ce qu'on veut et avec les mots qu'on veut, et surtout inviter des gens qu'on ne voit nulle part, eh ben, il faut être autonome financièrement. Et donc, tout ça. Et du coup, oui, en effet, là, je ne pense pas avoir ajouté grand-chose là-dessus. Hein, l'autonomie matérielle, financière, c'est ce qui va permettre d'avoir aussi les deux autres. Enfin, je ne sais pas ce que je peux dire de plus, je crois que là... Ça. L'autonomie organisationnelle, l'autonomie théorique et l'autonomie financière, ça forme l'autonomie politique. Et c'est ça qui est important quand on parle de premier concerné, c'est l'autonomie politique. Mais si vous êtes blanc, vous avez aussi un rôle à jouer dans l'antiracisme. Déjà, n'hésitez pas à en parler, parlez de racisme, parlez d'antiracisme, parlez-en autour de vous, parlez-en surtout dans vos organisations. Et si vous voulez, vous pouvez aussi en parler là dans les commentaires et on sera un plaisir aussi de répondre, de participer au débat. Et si vous voulez aussi nous soutenir dans ce projet antiraciste, vous pouvez déjà vous abonner à la page de Parole d'Honneur, à toutes les pages. On est sur Facebook, Instagram, YouTube et Twitter. Et vous avez également sa chaîne Twitch que je vous ai déjà montré en début de stream. Voilà. Donc vraiment, je vous incite à vous intéresser à la fois à son angle, qui, certes, parfois, on a l'impression qu'être dans le mono-angle, tu veux la chanson, qu'être dans le mono-angle, ça a l'air de pas tout prendre en compte, mais c'est compliqué de strictement tout prendre en compte, parfois. Exemple, là, il en parlait hier en stream, quand on a eu les MeToo, et qu'il y a tout un tas de mecs qui ont pris parce que qui ont été incriminés parce que ils avaient eu des comportements où en tout cas ils avaient été mis en cause dans MeToo. Le seul qui a pris vraiment des décisions de justice, des punitions, qui a été puni par la justice, c'était Tariq Ramadan. Donc à quel moment qu'est-ce qu'on met en avant l'antiracisme en disant c'est le seul arabe du tas à le seul qui a pris, c'est le seul arabe du tas, ou au moins c'est un homme qui a pris. C'est normal d'avoir un moment où on peut pas tout strictement tout on a le droit de trouver ça dégueulasse les deux, hein. C'est pas acceptable, hein. Je dis pas le contraire, mais l'angle qu'on va avoir pour défendre les choses, je suis désolé, on ne peut pas tout avoir strictement en même temps, au même moment. C'est compliqué. C'est juste ça. Donc c'est pour ça qu'il existe des organisations qui sont spécifiques à des choses.
spécifique à l'antiracisme, spécifique à la queerness. C'est pour ça que ça existe. Et c'est souvent ce qu'il y a de plus efficace. Quand les féministes se sont battues pour de manière uniquement ciblée sur la cause des femmes, bah c'est là où elles ont eu le plus d'avancées. Pareil pour tout un tas de choses. Voilà. Mais en tout cas, je sais pas si vous avez des choses à ajouter. Je crois que là, on a un petit peu fait le tour de la vidéo. On pourra revenir sur des choses que fait Wissam, que propose Wissam. Si vous avez des précisions, n'hésitez pas à utiliser Discord, on pourra en reparler. Ça me pose vraiment pas du tout un problème. Je vous remets le Discord. N'hésitez pas, bah, du coup, à follow la chaîne, hein, parce que tous les... après chaque live, en théorie, on fait une petite vidéo, on discute un petit peu. Comment on fait les bébés? Ah bah je vais te montrer après si tu veux. Je pense pas qu'on réussira tout de suite, et si on réussit pas, bah on essaiera encore vers nous. Je vais voir ce qu'il y a comme, comme chaîne vers où vous raider. Bah tiens, il y a Next Gamer. Je peux vous envoyer chez Next Gamer. Next Gamer, c'est une asso de jeux vidéo et de bah, une asso queer de jeux vidéo. Bah, je la trouve plutôt cool généralement. Là, je crois que ce soir, ils font une émission où, entre autres, ils vont parler. Donc, ils refont un débrief Drag Race, ils parlent vite fait de Stonewall, il me semble, et également de personnages trans dans le jeu vidéo. Je sais pas comment ça va être parlé, comment ça va être envisagé, mais ça peut être marrant de participer un petit peu. Voilà. Je vous fais un bisou. Moi, je vous dis à vendredi, même heure. Donc 20h pour la première partie, 22h pour la deuxième, et bah je vous souhaite une bonne soirée, et peut-être si vous me suivez au raid, peut-être à tout de suite sur le raid, sinon à bientôt.